Bonjour mes chers collègues, j'espère que vous allez bien. Vous êtes remis des, des tumultes d'hier. Moi, ils m'ont été épargnés puisque j'étais à Berlin, à Dresde et à Münster avec le président de la République. Et je dois dire que l'atmosphère que j'ai rencontrée auprès de nos amis allemands était certainement beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Brigitte était. Là aussi, beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée que celle que vous avez entretenue en notre absence. <laughs> voilà. Euh, la, la table ronde, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle ce matin euh, la tenue d'une table ronde sur la souveraineté monétaire des États africains et la question du devenir du franc CFA. Euh, je dois vous dire une chose c'est qu'en général, j'essaie d'être extrêmement peu impliqué dans les, les ordres du jour, enfin, dans, bien sûr, les questions m'intéressent si j'y interviens, les, la, la sollicitation des ordres du jour, mais là, je me suis senti impliqué personnellement très fortement, pour une raison simple, c'est que c'est une question sur laquelle ma religion n'est absolument pas faite, et je, voudrais, je voulais essayer de comprendre... Euh, et j'ai profité de ma, ma fonction, euh, je voulais essayer de comprendre comment ce problème se posait pour nos amis africains, pour nous, pour l'économie. Et je me suis dit que la meilleure chose, que certainement ma perplexité était partagée par un grand nombre d'entre vous, et que nous gagnerions beaucoup à avoir des experts sur cette très importante... Questions. Alors j'espère que je sortirai avec des, 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 des analyses et des convictions plus fermes que celles avec lesquelles j'aborde cette réunion euh, aujourd'hui. Alors le, cela dit, ce sujet, ce n'est pas trop personnel, a quand même été proposé par plusieurs membres du bureau et c'est est devenu ces, ces derniers temps avec notamment les tumultes politiques qui ont marqué les relations entre la France et une partie des États africains, est devenue d'une grande actualité ces derniers temps. Euh, les critiques émises dans certains pays africains à l'encontre de ce qui est ce qui est perçu, euh, à tort ou à raison, comme une réminiscence de la France-Afrique, et euh, en raison de l'importance et de l'écho grandissant de discours politiques appelant euh, à une sortie du français. Et ça, on ne peut pas évidemment... Ne pas avoir présente à l'esprit que c'était un des grands thèmes de campagne du nouveau président du Sénégal. Donc on est effectivement confronté à une, une <coughs> demande, une demande politique à laquelle notre commission se doit de pouvoir adresser des réponses techniquement nourries. Alors il est donc paru souhaitable. Que notre commission s'attache à faire le tri entre les différents arguments et qu'elle entende pour ça des spécialistes de la question. Alors, je, nous avons invité, je, leur, je les remercie très très sincèrement d'avoir accepté l'invitation de cette commission. Nous avons d'abord Madame Émilie Lafitteau. Madame, vous êtes chercheuse associée à l'IRIS. Vous êtes docteur en économie internationale, spécialiste... Euh, je vais voir quand j'aurai le temps de me je vais vous savoir de quoi vous êtes spécialiste. <laughs> Mais évidemment, le secret, c'est qu'alcool. <laughs> spécialiste de, oui, de l'Afrique subsaharienne, ouais. bien entendu. Euh, consultante pour de nombreux organismes de coopération internationale la Banque mondiale, la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, les Nations unies. Enfin, vous avez vraiment travaillé pour l'ensemble du monde multilatéral sur cette question. Vous avez travaillé plus de dix ans en Afrique, principalement, si je ne me trompe, au Sénégal et au Mali, euh, pour des programmes de renforcement de capacités et d'appui technique. Le 28 octobre 2023, vous avez donné une interview... Au Titre évocateur, quel scénario au pluriel? Tout est dans le pluriel face au reste, euh, au rejet du france CFA en Afrique de l'Ouest. Vos analyses sont donc assurément très très précieuses pour nous, euh, monsieur Bruno Cabriac. Pour votre part, vous êtes directeur de la fondation pour les études et la recherche internationale, euh, Ferdi, et vous avez exercé auparavant les fonctions. De directeur général adjoint en charge des études, des recherches, des statistiques et de l'international à la Banque de France. Euh, C'est donc avec un regard d'observateur avisé, même si la Banque de France joue, ne joue plus qu'un rôle de prestataire dans l'émission des Francs CFA, ce qui vous donne à la fois la proximité nécessaire à l'intelligence du sujet et l'indépendance liée à l'éloignement relatif de l'objet. Euh, vous vous exprimez donc devant nous à ce titre et nous nous en réjouissons. Enfin, monsieur euh, Martial Zebelinga, vous êtes quant à vous un chercheur indépendant. Je ne dis pas que les autres soient indépendants, hein. ce n'est pas, pas ça que j'ai en esprit. Vous êtes un chercheur indépendant, économiste et sociologue, expert associé au comité scientifique international de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Vous ne vous cachez pas d'être critique. À l'égard du France-EFA, et ce, nous sommes, nous réjouissons euh, euh, d'avoir ici quelqu'un qui euh, portera un, un regard un peu sévère, un peu critique, en tout cas euh, sur cette affaire. Sinon, nous ne pourrions pas progresser intellectuellement. Vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Ça, c'est quand même clairement dit. À qui profite le france cFA Et votre point de vue est en cela assurément très intéressant dans ce panel d'intervenants. Alors je vais vous laisser à chacun d'entre vous la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes chacun. Pas plus, vous êtes trois, ça fait déjà une demi-heure. Vous savez, les parlementaires, ils sont comme moi, ils ont toujours envie de parler. Euh, puis euh, nous aurons des échanges. Plus interactifs, ils sont très frustrés, comme le grognement du vice-président Lecoq vient de vous le faire remarquer, du fait qu'on donne, donne aux parlementaires pas beaucoup de temps de parole. L'idée, c'est que chaque groupe s'exprimera par un de ses représentants en deux minutes et demie et vous répondez en principe, l'un d'entre vous, ou deux d'entre vous, essayons chaque fois de ne pas en avoir trois, mais vous alternerez, etc., répondra dans le même laps de temps. Tous les groupes ayant parlé, les parlementaires qui auraient encore quelque chose à dire, ce qui, ce qui n'est pas, pas rare à vrai dire, euh, les parlementaires qui auraient encore quelque chose à dire, pourront à ce moment-là intervenir dans un délai plus bref encore d'une minute, auquel vous répondrez dans euh, la même sorte de délai. Comme je dis toujours, j'ai beaucoup plus de difficultés à contrôler le temps de parole de mes invités que celui des collègues. C'est comme ça. Euh, donc, euh, alors, donc, voilà comment ça va se passer. Alors, bon, la zone franche, je ne vais, vais pas faire un, 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 un baratin technique que je suis assez incapable de faire d'ailleurs, parce que, je, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup sur, votre, sur cette séance pour apprendre. La zone franc créée à la fin de, de, des, des années 1930, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, recouvre aujourd'hui trois régions. Il faut savoir ça, c'est quand même une très très drôle d'organisation hein, sur le plan pratique, qui dispose chacune d'une banque centrale et de leur propre monnaie. Il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine, MOA pardon. Composé de huit États membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui utilisent le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y a la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), constituée de six États membres le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, qui euh, recourt au franc CFA d'Afrique centrale. Enfin, l'Union des Comores qui utilise le franc comorien. Cette forme de coopération, et donc c'est une espèce de système gigogne à deux niveaux, cette forme de coopération monétaire est supposée offrir un cadre économique stable pour la conduite des politiques économiques de ces trois zones. Enfin, en effet, l'ancrage de chaque monnaie à l'euro est vanté par ceux qui sont favorables à ce système comme apportant une meilleure résistance aux chocs macroéconomiques et de maîtrise de l'inflation par la stabilité de la devise qui est favorable aux échanges et aux investissements. L'exemple souvent évoqué à l'appui de cet argument est la relative résilience dont ont fait preuve les pays de la zone franc lors de la crise sanitaire de 2020 par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne. Cette année-là, ils ont enregistré une croissance de plus 0,3% contre une récession de 1,7% pour l'Afrique subsaharienne selon le FMI. Alors évidemment, on dirait que toute la croissance est un effet multifactoriel et qu'il est sans doute un peu excessif d'attribuer à cette situation monétaire l'intégralité de ce résultat, mais enfin, c'est un fait. À l'inverse, l'arrimage à l'euro est présenté, c'est évident, par ses détracteurs comme le moyen d'entretenir les pays africains dans une, sorte, dans une forte dépendance pour euh, leurs intrants, euh, principalement les biens intermédiaires en provenance de la Chine et d'autres continents, et de maintenir une économie de rente à l'égard des matières premières. Ça, c'est un aspect économique que je pense vous discuterez. Mais évidemment, nous voyons bien que derrière tout cela, il y a un ensemble de représentations, est-ce qu'elles sont fantasmées, est-ce qu'elles sont réelles, en tout cas elles sont inévitablement très fortes, d'une une sorte de, de rémanence de la situation coloniale que nous avons connue au siècle dernier et qui effectivement pèse très fortement sur l'appréciation des uns et, et des autres. Euh, au sein de chacune des trois zones, la souveraineté monétaire et les décisions sont de la responsabilité des trois banques centrales communes, indépendantes, où siègent les États membres de la zone franc, A savoir la Banque centrale, je l'ai dit, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest euh, BCFAO, euh, la Banque centrale de la Banque des États de l'Afrique centrale euh, (BEAC) et la, la Banque des Comores. Avec la réforme de la coopération monétaire en zone U. UEMOA, euh, annoncé en 2019, la France n'est plus présente, ça c'est très important, dans les instances de la Banque centrale de cette région. En outre, notre pays ne dispose que d'une représentation minoritaire, d'ailleurs différente selon les, les, au sein du comité de politique monétaire et du conseil d'administration de la BEAC. Un administrateur français sur sept, c'est moins vrai à la Banque Comorienne, où la France occupe la moitié des sièges du Conseil d'administration. L'impression des francs CFA, ainsi que des devises d'une vingtaine de pays, se fait où On vient de fêter 50 ans l'élection du président de la République concernée, à Chamalière, par la Banque de France. Ce sont néanmoins les banques centrales africaines qui émettent... Les titres d'impression, euh, les, les, les ordres d'impression de billets et de pièces dans le cadre d'un contrat passé avec la Banque de France qui agit comme opérateur et qui pourrait se voir préférer un autre intervenant sur décision commune des chefs d'État de la zone franc. Tout ça est à la fois assez partagé, assez contractuel et assez mouvant. Chaque pays est libre de quitter la zone franc, soit de manière temporaire. Comme l'a fait le Mali, soit définitivement, à l'instar de la Guinée, à Mauritanie et Madagascar. Certains États non francophones, comme la Guinée-Bissau, ont aussi choisi de la rejoindre. Nous avons donc vraiment nous avons un grand sentiment d'empirisme dans cette affaire. Nous avons le sentiment que, au sein de cette commission, que le rejet du franc CFA va en réalité bien au-delà. Je le disais tout à l'heure, de l'enjeu monétaire, il s'apparente aussi à une bataille symbolique des partisans d'une prise de distance avec la France à de multiples niveaux diplomatiques, économiques, militaires, culturels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas justifié. En un mot, il ne s'agit pas seulement de revendication de souveraineté monétaire, mais bien de souveraineté nationale. Voilà, Mesdames et Messieurs, à travers cette table ronde, nous souhaitons donc être éclairés sur les motivations sous jacentes des acteurs à la mise en cause du France-EFA. Et quand je dis motivation, je ne dis pas ça négativement. Nous voudrions vraiment faire un bilan, avoir une appréciation objective des intérêts que chacun a et des inconvénients que chacun ressent du maintien dans cette zone. Maintenant, j'ai déjà trop parlé. Je vais donc vous laisser vous exprimer. Alors, c'est d'abord Monsieur euh, Monsieur Cabriac qui va. Euh, inaugurer la, la discussion, ouvrir le bal, si je puis me permettre. Euh, vous avez donc la parole pour 10 minutes et vous avez d'abord vous vous le loisir de dire exactement tout ce qui était imprécis, erroné euh, dans ce que j'ai dit. Alors, euh, merci beaucoup, euh, monsieur le président, euh, mesdames et messieurs les députés. Je suis très, très honoré. Euh, de venir devant vous discuter de, de ce sujet que j'ai pratiqué depuis longtemps, parce que, effectivement, j'ai été pendant une très longue période administrateur d'une des banques centrales de feu, la zone franc. Et vous avez dit peu de choses ou pratiquement aucune chose inexacte, sauf que la zone franc, mais il n'y a pas eu de certificat de décès, a disparu. Pourquoi la zone franc a disparu Parce que, en fait, ce n'était pas vraiment une zone. Elle regroupe trois monnaies, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, qui sont des monnaies totalement différentes et totalement non convertibles entre eux. Et il y avait une instance de euh, discussion qui s'appelait les réunions des ministres de la zone franc, parce que ces pays partageaient le même système monétaire. Depuis la réforme de 2019 de la coopération monétaire avec les pays de l'UMOA, cette réunion des ministres de la zone franc n'a plus lieu. Elle a été remplacée par des réunions bilatérales. Et donc aujourd'hui, dans les dénominations officielles, en tout cas, le terme de zone franc a disparu. La Banque de France fait chaque année un rapport d'évaluation sur la situation économique dans les trois zones, qui a autrefois a été appelé rapport de la zone france, est aujourd'hui le rapport sur les coopérations monétaires. Afrique, France. Je voudrais faire rapidement, et d'autant plus rapidement que beaucoup de choses ont été dites par le président, cette observation pour cadrer le débat avant de rentrer, avant que mes voisins rentrent plus fermement, si je puis dire, dans le débat sur les avantages et les inconvénients. D'abord, ça a été dit, la zone franc souffre d'un péché, péché originel. Ce péché originel, il vient du fait que ce système est hérité de la période coloniale et les grands principes sont restés inchangés. Ces grands principes, c'est un taux de change fixe vis-à-vis -vis de la monnaie française, aujourd'hui de l'euro. Une union monétaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Afrique centrale qui vient aussi de l'organisation. Coloniale euh, et euh, une garantie assurée par le trésor français illimitée et inconditionnelle. Donc ce système n'a pas changé. Le nom courant de franc CFA, en tout cas l'acronyme de franc CFA pour les deux euh, monnaies qui portent ce nom, n'a pas changé, même si euh, effectivement euh, cet acronyme signifie des choses différentes et euh, non plus le franc des colonies euh, d'Afrique. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une forte charge symbolique et que les Francs CFA soient vus comme un symbole de la rémanence, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, du fait colonial et de l'absence de souveraineté monétaire. Deuxième remarque cette, cette coloration symbolique est tout à, fait, tout à fait logique compte tenu de ce péché originel, a conduit parfois à des présentations erronées de ce système. Je ne développe pas car vous en avez parlé, mais euh, il est souvent euh, dit dans les arguments, euh, euh, notamment dans les pays africains, mais aussi euh, en France, que c'est la France qui émet les francs CFA et le franc Comorien. Et cette euh, confusion est entretenue par le fait que la Banque de France fabrique euh, les billets, et, et d'ailleurs maintenant euh, avec le compte et puis à chamalière, puisqu'elle euh, a regroupé euh, ses, euh, euh, son système de production. Mais comme vous l'avez dit, c'est complètement faux. La France euh, n'aimait pas euh, ses billets, ses billets n'aimaient pas ses monnaies, ses monnaies sont émises par les banques centrales euh, des euh, trois zones et euh, le, euh, la France ne contrôle pas la politique monétaire, comme vous l'avez dit. Elle n'a que, et encore plus d'ailleurs en UMOA, qu'une voix très minoritaire et son influence n'a cessé de diminuer depuis euh, le début des indépendances. Euh, et donc, il n'y a, 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 a pas de réalité à cette présentation, mais cette présentation, évidemment, elle ressort du fait que le débat est très teinté idéologiquement par ce péché originel. Un autre facteur qui entretient un petit peu la confusion sur ce sujet, c'est que les pays signataires des accords de coopération monétaire n'ont pas euh, effectivement euh, de souveraineté monétaire. Pourquoi ils n'ont pas de souveraineté monétaire C'est pas parce qu'ils l'ont euh, transférée à la France ou que la France l'exerce d'une quelque manière, mais c'est parce qu'ils ont fait deux choix qui la limitent fortement. Le premier choix, c'est celui d'être dans une union monétaire, et là, évidemment, comme on le sait et comme on le pratique aujourd'hui en France, c'est le transfert de la souveraineté monétaire et euh, c'est-à-dire la possibilité de faire des mesures de politique monétaire discrétionnaires. Au niveau de l'Union, et ils ont fait le choix d'avoir un taux de change fixe. Et comme vous le savez, mécaniquement, un taux de change fixe, ça limite les marges de manœuvre de la politique monétaire. Donc il n'y a pas de souveraineté nationale, mais cette souveraineté nationale relève de deux choix. Et ces deux choix qui ont été faits, de façon, euh, qui ont été faits et réitérés par les États signataires des conventions monétaires. Et donc on peut arguer que leur souveraineté monétaire, s'est exercé et s'exerce au moment où ils font ces choix. Et D'ailleurs, des pays sont sortis de ce système, euh, comme l'a indiqué du, le Président, et d'autres pays sont euh, rentrés. Euh, toutefois, on remarquera que les pays qui restent, euh, que ce soit dans l'UMOA et dans la CEMAC, n'ont connu que ce système. Euh, sauf, euh, évidemment, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui ont rejoint ce système. Ce fait-là peut être aussi invoqué comme euh, biaisant euh, ce choix euh, qui, est quand même. Euh, un choix souverain. Quatrième observation, les vrais débats, une fois levés les, les ambiguïtés symboliques, et je ne reviens pas sur le débat politique, mais les vrais débats au niveau économique, sont donc sur ces deux options. Euh, le fait de choisir un taux de change fixe, euh, le fait euh, que ce taux de change fixe soit euh, choisi vis-à-vis -vis de l'euro, euh, et l'appartenance à une union monétaire. Et donc moi je laisserai mes deux voisins répondre sur la pertinence de ces choix. Je pense que c'est le fond du débat en tout cas sur le plan économique et que la réponse est, 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 est complexe et que c'est difficile de se faire une religion. Mais je ferai quand même trois remarques. Le premier c'est que le choix d'un taux de change fixe... C'est loin d'être un, un, un choix aberrant. C'est le choix choisi par 80% des pays d'Afrique subsaharienne et par une écrasante majorité de pays en développement, que ce soit des taux de change fixe rigides ou un peu moins rigides, formels ou informels. Le choix d'une encre pour ces régimes de taux de change fixe, qui soit l'euro, n'est aussi pas un choix aberrant. La plupart des pays qui ont choisi un régime de change fixe le font vis-à-vis d'une encre de deux grandes monnaies internationales, le dollar ou l'euro. Enfin, le choix d'être dans une union monétaire est, comme vous le savez, beaucoup plus rare puisqu'il n'y a que quatre unions monétaires dans le monde. Et effectivement, l'union monétaire d'Afrique de l'Ouest et l'union monétaire d'Afrique centrale sont des unions monétaires qui sont sous-optimales. Mais je remarque que quand même, les unions monétaires sont la partie la moins contestée politiquement du système. Car, d'une part, elles sont le creuset d'une intégration régionale qui répond aux aspirations panafricanistes, qui sont souvent des aspirations très répandues dans les opinions qui contestent le système. Et, par ailleurs, cette intégration régionale a un certain nombre d'avantages économiques et collatéraux qui sont importants. Cinquième remarque, ce système, il a une grande cohérence d'ensemble, et cette cohérence d'ensemble, elle a été quand même renforcée par plus de 60 ans depuis les indépendances de fonctionnement, non sans heurte, mais sans rupture. Le taux de change, cette cohérence, est lié sur trois faits. Le taux de change fixe permet la stabilité interne de la monnaie, donc on probablement mes collègues y reviendront. Deuxièmement, la garantie de la France permet le maintien de ce taux de change fixe. Et troisièmement, l'existence d'une règle de change claire contraint la politique monétaire. Et ce faisant, elle facilite la renonciation à la souveraineté nationale en matière monétaire et le transfert de cette souveraineté au niveau de l'Union. Et donc cette cohérence globale, elle ne facilite pas les réformes visant à remettre en cause un... De ces trois éléments fondamentaux, une de ces seules options à la remettre en cause uniquement une euh, et pas les autres. Sixième et avant-dernière remarque, euh, je voudrais faire une remarque sur des approximations euh, sémantiques qui sont souvent euh, utilisées quand on parle de la garantie que donne la France. On parle de garantie euh, de convertibilité et ça peut créer euh, une ambiguïté et, et une incompréhension. En pratique, Comment ça se passe Il s'agit simplement d'un engagement de fournir, en cas d'épuisement des réserves, aux trois banques centrales, qui bénéficient d'accords similaires sur ce point, des devises de façon illimitée et de façon inconditionnelle. Il ne s'agit en aucun cas, ou il ne s'agit plus en tout cas depuis très longtemps, de garantir la convertibilité de cette monnaie. Si vous allez au Trésor français avec des francs CFA, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, vous n'allez pas pouvoir les échanger contre des euros. Donc il y a un peu d'ambiguïté sur ce terme, lui aussi hérité du passé. Et enfin, peut-être dernière remarque pour ouvrir le débat sur les avantages et les inconvénients de ce système monétaire. Je pense qu'il faut souligner un avantage absolument majeur qui est parfois ignoré dans le débat, qui est souvent un débat économique et symbolique c'est que ce système protège la monnaie de troubles politiques et sécuritaires. Quelle que soit l'ampleur et la durée de troubles de ce type qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays euh, de la zone CEMAC ou de la zone UMOA, je pense par exemple à la Centrafrique, au Mali, à la Guinée-Bissau, quelle que soit euh, euh, l'ampleur. Et euh, la durée de ces troubles, eh bien, la monnaie a toujours été protégée. Les populations ont toujours pu avoir accès à cette monnaie et cette monnaie a toujours conservé son pouvoir d'achat. Cette immunisation est, et j'allais dire malheureusement, euh, à cause de la montée de la conflictualité euh, dans les euh, euh, pays euh, des deux zones, devenue un avantage majeur de mon point de vue du système et c'est un avantage incontestable. Parce que sur tous les autres avantages économiques, ou d'ailleurs surtout les inconvénients, c'est toujours difficile de trouver un contrefactuel. Là, dans le cas des pays que j'ai cités, ou dans le cas des troubles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, eh le contrefactuel, il est simple, il est éclairé par de nombreux exemples. On peut penser par exemple au Zimbabwe ou à la République démocratique du Congo. Et dans ces nombreux exemples, le contrefactuel, c'est que la dépréciation, voire la disparition de la monnaie, c'est-à-dire la dollarisation complète de l'économie, aggrave encore les souffrances de la population qui sont soumises à ces troubles sécuritaires. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, c'est tout à fait intéressant de savoir si notamment ce dernier point est lié à un phénomène, cette immunisation, comme vous avez parlé. Comme vous l'avez dit, est, est lié au fait d'appartenir à, à cette zone globale, ou est-ce que c'est pas simplement l'effet de euh, d'une monnaie qui est régionale et non pas et, et non pas nationale comme comme est l'euro si vous voulez chez nous, c'est-à-dire ce sont ces communautés monétaires, c'est ça qui est difficile à percevoir. Maintenant, euh, alors vous avez, c'est vous qui avez défini l'ordre. En, en, vous trois, donc ne croyez pas que ce soit une intervention de, de la, du président de la Commission. Et la seconde intervenante, c'est Madame Lafitteau. Donc nous allons, euh, et ensuite Monsieur, monsieur euh, euh, Zebilinga qui aura accumulé toutes ses munitions pourra effectivement euh, contester euh, l'opportunité du maintien du système actuel. Si, sans préjuger excessivement de ce que vous direz, j'ai l'impression que c'est comme ça que le jeu de rôle s'organise. Madame, je vous en prie. Euh, mesdames et messieurs les députés, bonjour. Je, je voudrais remercier d'abord le président pour large pour cette invitation. Euh, ma présentation portera sur deux points. D'abord, un état des lieux sur le rejet du franc CFA en Afrique, et puis une analyse des avantages et des inconvénients. Du système monétaire actuel, à la fois pour les pays africains, mais également euh, au niveau de la France. Donc, sur le rejet du franc CFA, effectivement, le franc CFA est actuellement très contesté, euh, notamment en Afrique de L'Ouest et euh, surtout au Sahel, euh, euh, principalement dans les pays qui ont euh, connu un, un coup d'État. Euh, ce rejet se manifeste à, à, à plusieurs niveaux. Au niveau des citoyens, on a vu énormément de slogans anti-France FA dans les manifestations au Sahel notamment, et dans le discours des représentants politiques ainsi que de nombreux intellectuels autour généralement de deux arguments. Le premier, l'héritage fort de domination coloniale que représente le France FA, et le deuxième, certains inconvénients liés à la parité fixe. J'y reviendrai. Donc un point que je souhaiterais souligner ici, c'est qu'on peut observer que la contestation n'a jamais été aussi forte, euh, alors que, euh, comme l'a rappelé euh, mon collègue, euh, l'influence de la France au sein du dispositif monétaire n'a jamais été aussi restreinte actuellement. Euh, en revanche, dans la pratique, on n'observe pas de rejet du franc CFA. Effectivement, son utilisation reste de mise à tous les niveaux, au niveau de tous les acteurs économiques. Euh, on peut voir qu'il y a une confiance qui reste maintenue. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, la levée de fonds euh, qu'ont effectuée la Côte d'Ivoire et le Bénin en, en début d'année euh, sur les marchés obligataires qui montrent une forte confiance des, des investisseurs internationaux. Euh, l'utilisation du franc CFA à la fois dans les échanges courants, mais également au niveau des épargnants. Et puis, au Zimbabwe, euh, actuellement, on a une énorme hyperinflation avec un dévissage de la monnaie. Et on voit que dans certains pays, tels que euh, dans ces pays-là, ou euh, au, au, euh, au Ghana, ou également... Euh, 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 dans, la, dans, dans les autres pays de la, de la, de la zone euh, ouest africaine, euh, le CFA peut être une valeur refuge. Euh, deuxième élément, c'est qu'on n'observe pas non plus de dépréciation réelle de la valeur du franc CFA, c'est-à-dire que euh, la, la valeur par rapport aux autres devises étrangères de la monnaie euh, n'a pas euh, diminué ces, ces dernières années, alors que c'est l'observation qui peut être faite dans les pays voisins, euh, comme au Nigeria et euh, au Ghana. Donc, euh, la deuxième partie de mon intervention euh, portera sur les avantages et les inconvénients du, du système monétaire actuel. Donc, concernant les avantages pour les pays africains, euh, je listerai trois principaux avantages. Le premier, c'est la stabilité monétaire. Effectivement, le système actuel euh, est un système qui permet la stabilité monétaire. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité monétaire Premièrement, c'est une inflation maîtrisée sur le long terme. Et deuxièmement, c'est une faible variation du change sur le long terme. Ceci a des conséquences positives d'abord au niveau du pouvoir d'achat des populations. Et là, je dirais que c'est un enjeu majeur dans des pays en développement où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième conséquence positive, c'est que ça favorise les investissements directs étrangers, puisque ça limite le risque de change. Un deuxième avantage du système monétaire actuel, c'est la mutualisation des réserves de change. Donc, les réserves de change, pourquoi c'est un enjeu majeur Parce que ça permet au pays de détenir des devises pour échanger et s'approvisionner avec l'étranger. Donc, ici, euh, le système monétaire actuel représente un instrument de répartition euh, du risque au niveau régional. Et puis, ça permet à des pays d'avoir accès à des réserves de change, notamment des pays qui n'en accumulent très peu, voire quasiment pas. Enfin, un troisième avantage, c'est que le système actuel favorise l'intégration régionale, puisqu'il ouvre les pays à un marché régional et qu'il facilite les échanges entre eux. Ici, euh, je dirais que cet avantage est somme toute relatif euh, compte tenu des échanges limités euh, au sein euh, de, la, de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Euh, les inconvénients, donc tout système monétaire a des avantages et des inconvénients. Sur les inconvénients, je citerai deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est, euh, comme l'a rappelé M. Cabriac, la perte de l'instrument discrétionnaire de politique monétaire au niveau national, puisque cette souveraineté monétaire a été transférée à une échelle euh, régionale. Donc ici, on voit qu'on a perdu un outil fort qui est un élément contracyclique de la politique économique d'un pays. Or, on est dans des pays où euh, la politique budgétaire est assez contrainte, on est dans des pays pauvres, et donc il reste peu d'outils contracycliques aux autorités économiques, les chocs sont peu amortis, et donc ça, ça crée quand même une vulnérabilité accrue euh, au, niveau de ces, euh, au niveau de ces pays par la perte d'instruments. Le deuxième inconvénient euh, est lié au, à l'arrimage. Du change fixe avec l'euro, euh, sachant que les pays de la zone franc échangent euh, de plus en plus avec euh, d'autres zones que la, zone, que la zone euro, la question de l'arrimage à la seule monnaie euro peut se poser effectivement avec acuité actuellement. Et puis, euh, le deuxième argument, c'est le niveau, le niveau de la parité. Aujourd'hui, un franc CFA, ça vaut, 650, euh, euro, pardon, ça vaut 656 euh, francs CFA. Donc, les pourfendeurs du franc CFA estiment que ce niveau est surévalué et que donc ça, donne, ça encourage les importations et ça décourage euh, les, ex, les exportations. En revanche, les défenseurs euh, de ce système euh, estiment qu'il reflète bien euh, le, le niveau de compétitivité prix euh, des, de, la, de la zone, c'est-à-dire que si on était dans un système totalement fluctuant, on aurait. Euh, ce, ce niveau euh, entre l'euro le, et euh, le franc CFA. Euh, les dernières études en date euh, sur les mesures euh, de, de ces prix euh, sont, ont été réalisées par le FMI et par euh, un centre de recherche français, l'AFERDI, et ils, ils ont tendance à montrer que euh, le, le niveau euh, du taux de change reflète bien le niveau euh, de compétitivité-prix. La chose que je voudrais tout de même souligner... Euh, sur le débat autour du régime de change, euh, euh, à l'instar de M. Cabriac, c'est qu'il me semble que c'est un élément clé euh, du débat pour savoir si le système actuel est bien euh, adapté euh, aux réalités euh, des pays euh, concernés, que ce soit euh, du côté ouest-africain euh, comme euh, du côté euh, d'Afrique centrale. Euh, la dernière partie de mon intervention euh, portera sur les avantages et les inconvénients du système monétaire, monétaire actuel euh, pour la France. Donc euh, pour la France, le principal avantage du système actuel est, réside dans sa stabilité. Effectivement, euh, la France n'a aucun intérêt à assister à une crise monétaire ou à une dévaluation euh, de la monnaie euh, dans ses pays. Euh, parce qu'elle a euh, tout simplement des collaborations économiques avec ces pays. Et donc ici, euh, on parle de, de risque de change. Euh, L'inconvénient majeur euh, pour la France euh, du système actuel, euh, il me semble qu'il réside au niveau de la garantie de convertibilité exercée par le Trésor français. Euh, comme l'a rappelé M. Cabriac, euh, si les réserves de change au niveau de la BCAO ou de la BEAC ou de la banque des Comores s'épuise, la France s'est engagée à pourvoir ces banques centrales en devises. Ici on a deux cas de figure. Si elle le fait, il me semble que ça va être difficilement tenable politiquement au niveau du contribuable français. Si elle ne le fait pas, elle, portera, elle sera tenue pour responsable par les citoyens africains euh, d'une crise euh, systémique potentielle. Et donc dans les deux cas, euh, il me semble que euh, la situation est compliquée euh, au niveau euh, politique pour la France. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était effectivement extrêmement clair et, et extrêmement suggestif. De tout Un ensemble de, de réflexions, notamment le ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est le parallélisme entre les arguments pour et ceux favorables à l'euro. Je ne sais pas si monsieur Dupont-Aignan en tirera des conséquences, mais euh, on, on verra ça. Euh, maintenant, euh, ce, ce sera donc à monsieur Zoubelinga de prendre euh, la parole et de nous éclairer sur la façon dont il perçoit ce problème, quand même, qui est extrêmement complexe il faut vous appuyer sur le votre merci monsieur le président euh, vu le, la présentation implicite qui me précède je vais à, avoir du mal à être dans un, un rôle de composition euh, je vous remercie euh, très sincèrement de m'avoir euh, invité sachant que euh, J'ai effectivement euh, été de ceux qui ont commis l'un ou l'autre euh, article, l'un ou l'autre euh, ouvrage en relation avec le franc CFA. Et euh, donc je l'ai fait et vous avez malgré tout tenu à m'associer à vos travaux. Je vous en sais gré. Et je suis. Euh, je voudrais penser en tout cas que. Euh, tout le monde ira euh, jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire euh, en quelque sorte une opération aussi de vérité. la monnaie, les monnaies ont besoin de vérité. si nous sommes aujourd'hui devant une euh, commission parlementaire qui est euh, les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine. sinon, on ne serait pas, on n'en déciderait pas au parlement français. Et c'est aussi euh, une perception encore plus profonde, c'est que les externalités euh, aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions et qui probablement, euh, en tout cas qui à mon sens ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives, dans le sens où elles sont portées par la jeunesse. Et donc la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA, en Afrique du Sud, etc., au Malawi. Et donc je, je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Qu'il me soit donc autorisé de, de me souvenir d'un 29 mai 2005, que vous connaissez tous, puisque... C'était le jour du traité de Rome 2005 et que nous sommes effectivement un 29 mai. Voilà, on se rappelle du résultat. C'est donc exactement il y a 24 ans. Pourquoi est-ce que je, je, je rappelle ce précédent, enfin ce précédent, cet événement historique C'est parce qu'en réalité, euh, les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA euh, n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaires et représentants du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques, quelques questions. Ce que je, je souhaite mettre en avant ici, et, et mon, mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique de la question du lien euh, disons de la tenue d'un taux de change d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre etc. la monnaie va bien au delà de cela et même l'économie va au delà de ça. aujourd'hui une des monnaies qui qui, qui maintient son, son, son niveau par rapport au dollar c'est le kwacha du, 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 de la zambie et, et, et pourtant l'économie zambienne va très mal mais leur monnaie euh, réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur le, la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je, 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 je suis plus pour une approche plus, plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception que, euh, qui apparaît euh, à nombre d'Africains... Sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. Euh, J'apprécie l'expression et je remercie euh, Bruno Cabriac d'en avoir parlé. Il, il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un, un, un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une, une, une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un, un fait d'abord euh, historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites Entre autres, ben, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer dans, au sein de l'empire, il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, euh, aussi bien euh, en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les quatre principes... Cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, euh, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des, euh, des, des fonds, des, des capitaux, euh, ce, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie d'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires des peuples etc pour approuver ces passages là euh, euh, on est arrivé même à un, à un énorme paradoxe aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez le, la décision du, du Conseil du 23 novembre 1998, que je, conseille toujours, enfin je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France, je suis d'accord avec vos, les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que trois services au moins de l'Union européenne, non seulement soient d'accord, mais valides, soient tenus informés régulièrement de l'évolution de ces accords. Donc les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis -vis de la France, à une double tutelle, puisque désormais, l'Union européenne peut, si elle le souhaite, eh bien, intervenir sur cet accord en estimant que, pour x, y raisons, eh il ne convient pas euh, aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc, on passe avec le temps. Plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, eh bien, on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper colonial. C'est-à-dire que la colonialité s'est redistribuée sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit... Chaque pays a droit de décider ou de, de s'opposer éventuellement euh, si euh, à, à n'importe quelle décision qui pourrait être prise euh, par euh, les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs je crois, c'est le dernier article. Il y a sept articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, euh, dire que ils ne ils ne peuvent pas, en gros, bouger le taux de change. Ils ne peuvent pas décider, de, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis, d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc, trois instances. Donc, c'est difficile, dans un tel contexte, d'imaginer euh, qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. Et c'est pour ça que bon, je suis obligé un peu de dévier de, du schéma que j'avais prévu, pour, pour préciser, là encore une fois, dans cet euh, échange qu'on qui, qu nous a demandé sincère, euh, la notion de choix me paraît euh, difficile, à, comment dire, euh, difficile à argumenter. Les pays africains en 1945 sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres no taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait norm normalement par la France à son époque dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change. On ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent, euh, cette, en tout cas les, les règles, je dirais, cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et euh, il faut savoir aussi qu'avoir un, un, un taux de change fixe, ça, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains, les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associer, ceux qui, ont, qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés euh, euh, lors du passage. De la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire finalement on a une espèce de, de bloc en gros qui qui lie l'économie, la monnaie, euh, euh, les aspects culturels, euh, les aspects militaires comme un, comme un élément, euh, dire, comme un bloc vis-à-vis euh, -vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie le, 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 la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. Parce que il faut savoir que le, la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle, elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Parce que vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a deux monnaies euh, dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Euh, donc il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, de chercheurs, d'économistes, depuis les années euh, 50-60. Donc il faudrait, ce serait dommage de présenter ça essentiellement comme une, une espèce de simple simples protestation. Est-ce que vous pouvez conclure, monsieur? Je, je, je comprends très bien ce que vous dites, c'est passionnant. Mais euh, <laughs> oui, effectivement, euh, je, je suis à ma douzième minute. Je Alors, ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coût-bénéfice-externalité faite par les Africains ne permet pas de valider l'institution France CFA comme étant une institution de développement. Parce que tous les avantages qui sont associés au France CFA ne renvoie pas, si on prend la stabilité, euh, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissements directs étrangers aux pays africains de, la, de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. Euh, la stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et les travaux, y compris de M. Cabriac ou de, du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le franc CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc, il me semble que euh, il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains, aujourd'hui, sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme, avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc., etc., la multilatéralisation la et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent euh, adhérer au BRICS+, plus, par exemple, et que, et que ces, ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le franc CFA. Par contre, et je termine là, monsieur le président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les trois pays du Maghreb ont quitté le franc CFA à l'indépendance. À leur indépendance l'Algérie, le, la Tunisie, le Maroc. Okay Ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie le, tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui a un change flexible, mais qui résiste très bien à, à la situation actuelle, qui, est, qui a un, un niveau, euh, une cotation vis-à-vis -vis du dollar qui reste très stable. Donc le fait de sortir de la zone franc, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas eu de relations avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc. Et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie. Je vous remercie. Désolé d'avoir été long. Non, pas du tout, vous n'avez pas à de... vous désoler, c'est un très passionnant. Donc, je crois que nous avons, grâce à vous trois, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, pour euh, préciser ce que vous venez de dire, c'est clair que l'asymétrie historique et politique entre la France et, et les États membres de, de cette zone pèse très très lourd. Mais je crois, et vous avez tout à fait raison de souligner que là où des choix différents ont été faits, ça ne met pas en cause. Euh, la qualité, parfois d'ailleurs imparfaite, euh, des, des relations entre les pays qui sont monétairement indépendants et, et la France. Donc là, je crois qu'il faut vraiment dissocier ça. Et je pense qu'un pays comme la France est tout à fait euh, euh, ouvert sur cette question et, et ne lie pas du tout l'intensité des liens à créer avec les États africains au maintien de ce système, même si nous y voyons les uns et les autres et, et, euh, euh, à un certain nombre d'avantages. La deuxième chose, je crois que vous avez posé tous deux problèmes économiques. Quand même très importants, qui sont un peu différents, qui sont les mêmes problèmes qui se posent à l'euro, c'est-à-dire le problème de l'arrimage. Est-ce qu'il est logique d'arrimer les monnaies africaines à une entité qui est l'euro, en réalité, qui est fondée, dont l'évolution est, 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 est fondée sur. D'autres espaces économiques. Et, et donc là, il y, a, il y a certainement une réflexion à faire. De même qu'on se pose la question pour le franc par rapport à, à la zone européenne. De, troisièmement, enfin, toujours sur le plan économique, est-ce qu'il est, y a un inconvénient à avoir un niveau élevé de valeur. Ça, c'est le problème que nous nous posons aussi, nous, Français, dans la zone euro. Est-ce qu'on a une monnaie surévaluée pour nos échanges ou pas C'est différent. Hein le, le premier problème, c'est un problème d'arrimage. Le second, c'est un problème de, de fixité, en fait, d'arrimage du, 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 à une zone qui ne convient pas. Et la, la quatrième chose, et c'est un peu vers ça que converger certaines réflexions de, euh, finales de notre, euh, de notre dernier intervenant. Euh, quelle est la part de l'intégration à la zone euro et, et la part de euh, la mutualisation à l'intérieur des zones des deux zones, enfin le, des trois zones, mais enfin surtout les, la zone euh, d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, de, les, les, les effets de mutualisation, notamment en matière de mutualisation des réserves. Est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionnerait sans, euh, le, sans la France Ce n'est pas, pas évident, mais ça pose quand même un, un problème intéressant. Est-ce que le problème n'est pas. Il y a monnaie nationale, monnaie régionale et monnaie dans la zone. Et ces trois niveaux, est-ce qu'ils peuvent être, être distingués Voilà. Je n'en dis pas plus. Euh, je, je voulais simplement formaliser certaines des, des interrogations qui me paraissaient euh, ressortir de cette euh, excellente intervention euh, inaugurale que vous avez, dont vous avez bien voulu euh, nous faire, nous gratifier. Maintenant, pour Renaissance. Euh, les groupes vont s'exprimer et pour Renaissance, c'est notre vice-présidente, Madame Clapeau, euh, qui va euh, prendre la parole. Madame la députée de la Drôme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, euh, Madame et, et Messieurs, pour euh, vos interventions. Et comme elles ne sont pas toutes convergentes, euh, ça permet d'ouvrir le débat et, et c'est bien ce qu'on souhaite euh, dans une commission des affaires étrangères. Donc, euh, Parler euh, aujourd'hui de, de l'Afrique euh, sous l'angle de la monnaie, je trouve que c'est vraiment un angle très intéressant. Euh, L'Afrique, elle est toujours dans notre actualité avec euh, les bouleversements récents euh, politiques. Hein, je pense bien sûr euh, aux au coups d'État, Soudan, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, mais aussi aux au changements euh, démocratiques euh, au Sénégal. On a forcément en tête les campagnes anti-françaises avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans plusieurs États africains et des grands enjeux à la fois économiques, transition écologique, numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, et les vulnérabilités liées entre autres à l'endettement. Ce sujet monétaire y est aussi dans l'actualité puisque justement ces jours-ci... Les États africains se réunissent dans l'association des banques, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de, de développement. Moi, je considère que l'Afrique, c'est un continent innovant, qui est fort de sa jeunesse, qui a besoin de stabilité et de levier de financement pour transformer ses richesses naturelles en création de valeur. Et la monnaie, comme ça a été dit par exemple par M. Cabriac, euh, contribue à la stabilité et est en quelque sorte une immunisation euh, à la montée euh, des troubles. Alors la France a joué un rôle important dans le passé, mais je, je vais citer euh, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui était euh, début avril en tournée euh, dans différents pays africains. Euh, Stéphane Séjourné a déclaré que la France resterait à distance euh, des décisions monétaires qui ne relèvent que des pays concernés. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du franc CFA, a-t-il dit. Maintenant, c'est aux États africains de décider. Alors, bien sûr, et vous l'avez tous dit, le nom même du franc CFA contient une symbolique forte. Monsieur Bellinga, Zé Bellinga je vous ai bien entendu parler des externalités négatives explosives et qui débordent la zone du franc CFA. Moi, ma question, elle va porter plutôt sur le numérique. Et puis la confiance. Une monnaie euh, génère de la confiance et se base sur euh, de la confiance. Donc, comment, dans le contexte actuel, en particulier euh, des campagnes de désinformation, pouvons-nous construire euh, davantage la confiance autour d'une monnaie Merci. Je, je vous remercie. Euh, lequel ou euh, laquelle d'entre vous euh, veut euh, Je pense que deux réponses euh, seraient possibles. Euh, Voulez-vous commencer, monsieur allez Je vous rassure, Monsieur le Président, je serai bref. Euh, de la monnaie et à la confiance, je, je, pense, je, je pense commencer par la confiance, parce que comme le disent euh, les, les économistes institutionnalistes français comme Orléans et autres, euh, le, ce qui caractérise la monnaie, c'est la confiance. Et le problème qui se pose aujourd'hui, il faudrait pas se le cacher, c'est que le franc CFA a perdu quasiment... Quasiment toute sa légitimité. Quand je dis quasiment, c'est bien sûr les officiels ne le diront pas, mais les gens n'en veulent plus. Euh, et si les officiels ne le disent pas ou les cadres ne le disent pas, faut aussi reconnaître que par le passé, ceux qui l'ont dit l'ont quand même payé politiquement ou d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va être extrêmement difficile de forger de la confiance à partir d'un outil qui n'a quasiment plus de légitimité et dont l'illégitimité risque de croître compte tenu de la démographie sur laquelle est assise en fait cette critique. Cette... Euh, cela dit, euh, bon, nous avons des problèmes qui sont plus des problèmes de fossé numérique, etc., etc., Donc les questions de numérique avancent. On pense qu'elles contribuent euh, de plus en plus à l'inclusion monétaire de ceux qui ne peuvent pas avoir de, de compte en banque, etc. Mais de mon point de vue, ça reste encore, euh, ça reste encore précaire parce qu'on a ces problèmes de, de fossé numérique, on a encore des difficultés d'accès au numérique, même si ça progresse. Alors je suppose qu'il y a de meilleures ré de réponses et peut-être plus techniques ou plus techniciennes. Je, je vous remercie, monsieur, monsieur M. Zebelinga. Mme Lafito, vous voulez euh, ajouter quelque chose, bien volontiers Oui, je pense qu'effectivement, la confiance est la question cruciale. Dès lors qu'on parle de monnaie, c'est très important. Euh, euh, effectivement, dans les discours... Euh, le franc CFA est extrêmement rejeté. Dans la pratique, euh, je dirais que la confiance est maintenue. Pourquoi Parce que euh, le, on n'insiste pas. S'il y avait plus de confiance, les opérateurs, quels qu'ils soient, les ménages, les entreprises, les investisseurs, euh, auraient changé de monnaie. Et c'est ce, ce à quoi on assiste dans les pays voisins, c'est-à-dire que on utilise une autre monnaie dès lors qu'on n'a plus confiance. Or, on voit que c'est l'inverse. En ce moment... Il y a énormément de chocs euh, dans les pays africains, notamment euh, liés à l'inflation, à la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. On est dans un monde de plus en plus vulnérable. Et donc, on voit quelles sont les monnaies qui dévissent. Et quelles sont les monnaies qui restent stables, où du coup le taux de change réel par rapport aux autres est bien maintenu. Et on voit que sur euh, en pratique, je ne conteste pas du tout sur le problème de confiance dans les discours et dans l'opinion. Absolument pas. Dans la, dans la pratique, il me semble euh, que, 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 que ce n'est pas le cas. La deuxième chose pour asseoir la confiance, si jamais il y avait une réforme. Euh, deux, deux éléments sont majeurs, il me semble, pour maintenir la confiance. C'est des institutions solides. Si vous n'avez pas d'institutions solides, et ça, euh, historiquement, on le voit dans tous les pays qui ont changé de monnaie, qui ont euh, fait des réformes au niveau monétaire, si vous n'avez pas d'institutions solides, alors les opérateurs n'auront pas, vous pouvez euh, avoir n'importe quelle monnaie, n'importe quel régime de change etc., les opérateurs se reporteront sur d'autres monnaies. Donc effectivement, il faut premièrement, il me semble que les deux, les deux principaux critères pour asseoir cette confiance, quelles que soient les réformes qu'on mettra en place, c'est des institutions solides. Le Sénégal, par exemple, remplit ce critère, on l'a vu aux dernières élections, notamment euh, avec la, 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 le, le Conseil constitutionnel qui a maintenu euh, les élections, etc. Et la deuxième chose, c'est un niveau de réserve de change suffisant. Monsieur Bellinga en a parlé tout à l'heure, effectivement, euh, dès lors qu'on a un niveau de réserve de change suffisant, ça nous permet effectivement de maintenir euh, euh, la liquidité monétaire dans le pays. Et donc, pour asseoir cette confiance, il faut avoir euh, ces deux critères. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame. C'est très clair. Euh, maintenant, c'est pour le Rassemblement national, c'est Monsieur le député de l'Isère, Monsieur Joly, qui va s'exprimer. Merci. Vous avez la parole, mon cher merci, merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Quand quelque chose va mal, eh bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant, quand on écarte la haine de la France de l'équation, eh on constate que le franc CFA a plusieurs mérites, à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le trésor français et assure un taux de change fixe tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du, de, de France, du France CFA avec Madagascar. En 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, eh c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Eh il est aujourd'hui le quatrième pays le plus pauvre de la région et le sixième du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique, je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique, que sont les hydrocarbures, les produits agricoles et les minerais. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, eh bien, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc, non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que, contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors, nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs. Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'Église au milieu du village et de répondre, de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur, monsieur Jolie, de ce réquisitoire assez vif euh, auquel je pense euh, tel ou tel de nos. Les invités souhaiteront répondre. Par exemple, M. Je dis ça au hasard. Allez-y. Au hasard, je suppose que vous avez pris, pris l'ordre alphabétique. Voilà, c est, c est, vous avez tout compris. Ça. Maintenant, on commence par un Z. Exact. Euh, je pense que euh, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes. Euh, S'il vous plaît, taisez-vous et laissez parler. Pour l'instant, vous interrompez. Vous inter... Taisez-vous, je vous prie. Il y a un orateur qui parle, il est l'invité, c'est à lui de parler. C'est tout. Mais je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire. Alors taisez-vous, taisez-vous, monsieur Zemilinga. Je lui ai dit et il sautait. Alors arrêtez, arrêtez. J'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités. Monsieur Zemilinga, à vous. Oui. Euh, donc, merci pour votre votre intervention. Je pense que si vous restez dans le prisme de, des pros et des anti-français, vous forcément vous passerez à côté de la question, forcément, parce que d'une part, les Africains comme la France euh, sont dans un espace monde. Et, le, le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies, elle est allée vers d'autres espaces et a raison. Et à certains égards, elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces et quelquefois elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international, vers des pays émergents, vers des pays qui étaient plus dynamiques parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales. Donc vous risqueriez de, faire, de tirer un petit peu contre votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français. Euh, le français, d'abord, une monnaie, quelle qu'elle soit. Vous connaissez la question de la souveraineté. Elle a été développée en France par Jean Baudin. Enfin, il y a vraiment des, des auteurs français de très grande qualité, de très grand talent, qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté. La France s'est battue, avec le général de Gaulle déjà, pour sa souveraineté monétaire face au dollar. On connaît la fameuse expression de Monsieur le Président Giscard d'Estaing, le fameux privilège. Hein, qui parlait de, du privilège, euh, il avait une expression pour parler du dollar. Et donc, si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire, c'est parce qu'elle sait que ça a une importance. La, le, le franc français a été dévalué pr pr pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle. après le, m, 1900, Avant 1945 et après 1945, la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie. Et c'est à juste titre parce qu'elle voulait garder sa souveraineté qui est monétaire mais qui est une souveraineté nationale plus généralement. Et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français, il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CFA. Je veux dire, ils l'auraient fait à l'indépendance, comme l'ont fait encore une fois le Maroc, la Tunisie, les pays du Mékong, qui non seulement s'en portent pas moins bien, mais n'ont pas de, de moins bonnes relations avec la France. Euh, alors c'est vrai qu'il y a un, un contexte de critique vis-à-vis euh, -vis de la France, etc. Mais ce contexte, il est consécutif à quoi À la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas. C'est ça la véritable question. Vous avez une monnaie qui, en tant que monnaie interne, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien, ne va pas être contestée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont... Pouvoir libératoire dans l'espace africain. Donc les gens vont utiliser le franc CFA, mais ce qu'ils contestent, c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CFA. C'est ça, c'est là que se trouve la contestation et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose de, 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 de comment dire d'instrumentalisé. Je pense que ça ne peut faire que augmenter en fait les grandes difficultés et ça c'est vraiment important que la France risque d'avoir à long terme. Je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est, entre guillemets, le pire des pays à l'exception d'aucun autre. Parce qu'en fait, plus ce type d'institution perdure et plus c'est l'image qui est développée. Il ne faut quand même pas oublier que euh, le, lors du passage des troupes françaises, il y a quand même, voilà, il y a quand même des, des populations qui, ont, qui, se sont, qui se sont mises en travers de la déroute. De, de, On peut penser que c'est instrumentalisé, mais il y a eu ça aussi à Madagascar dans les années 70. Alors pour ceux qui sont sortis, pour votre information, je pense que vous le savez, la Mauritanie est sortie de la zone franc, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc il n'y a pas de, il a pas de oh, fatalité à ce qu'en sortant d'une zone. Ça se, porte, ça se passe pas bien. Il n'y a, a pas de fatalité. Au contraire, les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires, de plus de politiques adaptées à leur développement. Et ce n'est pas le cas pour le franc CFA parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés, déjà industrialisés. Par exemple, il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production, de la transformation productive. On n'en parle même pas dans les rapports, dans les rapports sur le franc CF1, y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France. Merci. Je vous remercie. C'était tout à fait important que vous fassiez une réponse, que ce soit vous qui la fassiez, que vous fassiez celle-là. Mais ça avait pris un peu de temps par rapport à notre, notre affaire. Est-ce que vous, M. Cabrec, vous voulez ajouter quelque chose Je vous en prie. J'aurais mauvaise grâce à vous le refuser. Merci, Monsieur mais si le vous Président voulez, très bref parce que je, je, là, je, je serai ce, très bref et je, je de ce vais débat profiter de a pris quelques minutes Je serai très bref et je profiterai de cette question euh, pour euh, préciser euh, deux points que j'ai déjà abordés. Euh, mais c'est euh, aussi euh, en, en euh, complément de ce qu'a dit euh, M Zebelinga euh, Alors la stabilité monétaire euh, et la faible inflation, je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que ce n'est pas une condition suffisante pour le développement, et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études. Mais par contre, c'est une condition nécessaire, et je ne donnerai qu'un seul exemple, tellement il est évident aujourd'hui, c'est celui de l'Argentine, qui était, lui, avant-guerre, et même encore pendant la Deuxième Guerre mondiale un des pays les plus riches du monde. Et donc, le fait d'avoir un taux de change fixe et de s'ancrer, et on peut s'ancrer que... C'est un rôle d'encre, on ne se raccroche pas à une, une monnaie, c'est juste que c'est une encre qui sert comme encre interne des prix. Il est un choix qu'on peut tout à fait contester, mais qu'on ne peut pas totalement rejeter, parce que c'est le choix qui est fait par... Euh, plus des deux tiers euh, des pays en développement. Donc euh, euh, si c'était un si mauvais choix, euh, ça se serait. Et ça fait le lien avec euh, un deuxième point que j'avais euh, développé, qui est le euh, lien entre ces unions monétaires qui correspondent, comme l'a dit M. Zembelinga, à euh, une tendance panafricaniste qui a toujours existé en Afrique et qui est de plus en plus euh, forte dans les populations. Or, pour constituer une union monétaire, il faut avoir des institutions fortes, ça a été dit par Madame Lafitteau, ou une règle. Et dans les unions monétaires, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a une règle, c'est celui de la fixité du taux de change. Il y a une solidarité très forte, chacun partage ses réserves avec les autres, mais il n'y a pas de politique de change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique d'intervention. On donne les devises à un taux de change fixe. Si ce taux de change fixe venait à devenir flexible, qu'est-ce que ça veut dire de partager ses réserves Ça veut dire de confier à une institution qui est une institution communautaire le choix d'intervenir et d'utiliser ses réserves. Or, le niveau du taux de change, il peut correspondre bien à un pays, il peut par contre être... Euh, euh, mauvais pour un autre pays. Euh, ça varie en fonction euh, des structures des exportations euh, de ces pays, des structures économiques de ces pays. Euh, et puis, euh, si on utilise les réserves pour défendre un niveau de taux de change qui n'est d'ailleurs pas favorable à un pays parmi au sein de la zone, eh bien, il n'y a plus de devises. Et quand il n'y a plus de devises, surtout si euh, on renonce à la garantie française, eh bien, euh, il faut. Euh, on est en cessation de paiement. Et on est en sensation de paiement au niveau de l'ensemble de la zone. Donc ce que je veux dire, c'est que ce niveau de solidarité qui est très fort par la mutualisation des réserves, que nous n'avons même pas encore aujourd'hui, nous, en zone euro, est-ce qu'il est possible, sans qu'il y ait une règle claire de change, à ce stade, je ne le crois pas. Et donc les deux options, le fait d'avoir un taux de change fixe et celle d'avoir des unions monétaires, sont, de mon point de vue, extrêmement liées. Je vous remercie. Je ne vous ai pas interrompu parce que c'était une réponse là aussi très substantielle. Simplement, il euh, y a on, euh, 10 ou 11 groupes avec les non-inscrits et si on, a, si, si on a 11 minutes chaque fois, ça, ça ne le fera pas. Pour la France insoumise, c'est Madame la députée de la seine saint Madame Abou Mangouli, qui va s'exprimer. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci pour vos présentations. Vous l'avez rappelé, le Franc CFA est encore perçu comme un héritage colonial de la France. À noter ce choix monétaire et celui de la majorité de dirigeants africains qui, pour beaucoup, ne sont pas élus démocratiquement. C'est donc le choix de la stabilité monétaire pour faire face aux instabilités politiques dont on s'accommode souvent fort bien. Le CFA souffre donc d'un gros problème de légitimité démocratique. ces dernières années les critiques contre cette monnaie se sont intensifiées notamment à mesure que les différences économiques entre les zones euh, euh, les zones monétaires euh, du continent euh, se creusaient. il faut aussi ajouter euh, les différents coups d'état en fait euh, couplé à des sanctions économiques contre ces nouveaux régimes à la recherche d'alternatives économiques pour reprendre les termes de leurs revendications plus globalement les aspirations à la souveraineté monétaire euh, sont en lien avec les aspirations à la souveraineté nationale c'est ce que nous a expliqué euh, le président le, pr le premier ministre pardon sénégalais Ousmane Sonko lors d'une conférence conjointe avec euh, Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques jours fin 2019 Emmanuel Macron s'était engagé avec le président Ouattara euh, de Côte d'Ivoire à enclencher une réforme du franc CFA. Ces déclarations ont été suivies de modifications de gouvernance, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette monnaie. D'autre part, euh, le basculement vers une nouvelle monnaie, l'éco, tarde à se concrétiser. L'arrimage à l'euro, une monnaie forte, a eu pour conséquence de renchérir les importations à l'ère de l'inflation post-Covid et par ailleurs la dévaluation de l'euro par rapport au dollar états-unien a par ricochet entraîné une explosion de l'endettement des États de la CDAO, ces dettes étant contractées en dollars. Donc, en 2024, il est nécessaire de sortir euh, du système du franc CFA, qui est un système de domination économique et politique exercé par la France et l'Union européenne et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de développement pour les peuples. Madame Lafito, vous avez développé trois scénarios de sortie du CFA. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous les expliquer euh, Et pour vous, euh, l'action des BRICS qui laisse entendre une volonté de dédollarisation des économies est-elle intéressante euh, de ce point de vue-là je vous remercie, Madame Abomangeli. En plus, vous avez été très, très bref, formidable. Madame Lafito, je crois que c'est à vous que d'abord la question se pose, mais évidemment. Oui, alors, outre la question des scénarios, je reviendrai par, un peu par rapport à ce qui a été dit. D'abord, sur l'aspiration la, la, à la souveraineté nationale, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Et je pense que là, le débat, il est sur est-ce que les pays euh, de ces zones souhaitent ou non rester dans la monnaie commune C'est ça. Okay. Et donc, euh, cette question, elle est centrale. Mais donc, la réflexion doit se faire en Afrique, au niveau des banques centrales et au niveau euh, de leur Parlement, pour savoir est-ce qu'on souhaite maintenir une collaboration au niveau, euh, de la, au niveau monétaire et là, euh, la France, par exemple, ne, ne siège plus, par exemple, au niveau de la Banque centrale des pays ouest-africains. Elle n'est elle elle représentée qu'à un siège au niveau de la BEAC. Et donc, euh, les pays euh, sont euh, totalement souverains pour euh, réfléchir à cette question euh, euh, en interne. Deuxièmement, sur euh, le projet de l'Éco. On voit que le projet de l'Éco, le projet Éco, c'est un projet euh, éco cest c'est-à-dire, euh, pardon, CDAO. Donc c'est un projet de monnaie commune à la fois au niveau de l'UEMOA, mais avec également les sept autres pays de la CEDEAO, qui sont des pays qui n'appartiennent pas à euh, la coopération monétaire. Ce projet, il est vieux de 30 ans. Il ne cesse d'être reculé. Il semblerait que... Ça pose quand même beaucoup de difficultés. Pourquoi Parce qu'on a vu notamment que euh, le géant de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, ne, souhaitait, na, ne, ne montrait pas euh, de grand intérêt euh, dans ce projet. Donc ça, c'est un peu le serpent de mer euh, au niveau euh, ouest-africain. Sur pourquoi, la dette. Pourquoi le Nigeria est-il réticent Pourquoi le Nigeria est-il réticent Parce qu'il est, est exportateur de pétrole. Donc en fait, ils sont totalement contracycliques. Donc ça n'a aucun intérêt de faire un groupe si euh, vous n'avez pas, pas les complémentarités, qui, donc en fait, ils n'y ont aucun intérêt. Donc pourquoi ils iraient en gros euh, donner, euh, fin, mutualiser leurs réserves de change avec des pays où, de, de, de fait, euh, la politique monétaire sera euh, antagoniste Leurs intérêts sont antagonistes, tout simplement parce qu'on a des importateurs de pétrole et on a un exportateur de pétrole très fort, le Nigeria. Troisième question, c'est sur la dette. Sur la dette, il faut faire attention. Si demain, effectivement, les pays sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis -vis de leur dette, c'est un problème majeur actuellement en Afrique subsaharienne, si le, le franc CFA permet, comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, euh, d'avoir une monnaie à, arriver, à rimer de manière assez forte avec l'euro et donc avec le dollar, si demain ils sortent, il risque d'y avoir une dépréciation ou une dévaluation. Ok, et donc à ce moment-là, ça va ça va vouloir ça voudra dire directement une facture beaucoup plus élevée qui double de l'endettement. Donc une sortie serait en tout cas euh, il faut, en tout cas il y aurait des points euh, sur l'endettement qu'il qu'il conviendrait euh, de bien anticiper parce qu'il y a un risque en fait là. Donc sur les scénarios euh, que j'avais proposés dans un papier, en gros on a trois scénarios. On continue le scénario du régionalisme, on, on continue euh, l'expérience euh, régionale avec des modifications, comme l'a fait euh, l'UEMOA euh, en 2019, de certains arrangements, éventuellement certaines réformes liées donc, à la parité. Est-ce qu'on souhaite maintenir la parité uniquement avec l'euro ou est-ce qu'on souhaite faire un panier de devises On pourrait imaginer un panier de devises. Euh, est-ce qu'on souhaite maintenir exactement ce niveau de la parité tel qu'il est ou l'ajuster Alors, on n'imagine pas un ajustement à la hausse, mais est-ce qu'on souhaite l'ajuster à la baisse Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario de l'écho euh, dans euh, la CDAO, ai, je viens d'en parler. Et le troisième scénario, c'est un scénario euh, d'une expérience nationale. Et là, on voit que sur l'expérience euh, nationale ou sous-régionale, il y a plusieurs zones euh, qui euh, montrent des velléités. Euh, le Sénégal. Euh, qui euh, a, a, a parlé en tout cas d'une sortie du franc CFA avec euh, une monnaie nationale, et puis les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et euh, le Niger, pour faire une, une monnaie commune. Voilà, mais euh, voilà, les, on va dire les, les trois scénarios euh, bon. euh, les plus probables. Je vous remercie, je crois qu'il faut avancer, je vous aurai la parole tout à l'heure, messieurs. Euh, maintenant, c'est pour le modem. Ah pardon, c'est pour les Républicains. Excusez-moi, c'est Madame Tabarro, Madame la députée des Alpes-Maritimes. Je ne voulais pas vous oublier. Merci Monsieur le Président. Bien, je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du Franc CFA. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique, et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasmes. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance de, du, du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. En, nous, et nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie, mais au-delà des discours... Les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie, ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique Merci. Voilà, ça c'est la catastrophe. Cinq questions majeures posées à trois interlocuteurs différents. Vous n'avez pas pitié de votre président. Qui, qui, veut, qui veut répondre d'abord Monsieur Cabriac, peut-être. Ce sont effectivement des questions très, très, très difficiles sur et qui posent le problème, quelle que soit l'idée qu'on a de l'évolution des systèmes monétaires dans les deux zones qui posent le problème de la transition, parce que la transition est clé et elle sera nécessaire. Pourquoi? Parce que déjà, les populations, quel que soit leur âge, n'ont connu que ce système et donc sortir de ce système sera déstabilisant. La deuxième raison, c'est que ce système, comme je l'ai expliqué, est très cohérent. Et donc si on enlève un des éléments, on compromet les autres. Or, ces différents éléments ont une résonance dans l'opinion très différente. Les unions monétaires ont plutôt une bonne cote dans l'opinion, et en tout cas parmi ceux qui contestent le, les francs CFA eux-mêmes. Par ailleurs, d'ailleurs, on répète tout le temps qu'il y a un franc CFA, il y a deux francs CFA, c'est deux monnaies très différentes. Et un peu en écho à votre question, il y a deux monnaies très, deux, deux monnaies très différentes qui ont, pour des raisons purement historiques, la même parité. Alors que, comme l'a signalé madame Lafitteau, il y a une zone qui exporte du pétrole, une autre zone qui importe du pétrole. Donc ça n'a ça pas beaucoup de sens qu'ils aient la même parité et ça a juste une origine politique et qui vient de l'origine. Voilà. Donc, euh, il y a plusieurs scénarios, comme l'a indiqué Mme Lafitte. Aussi, des pays euh, sortaient individuellement ou euh, en petits groupes euh, de euh, unions monétaires et du système, alors que le système restait, les risques seraient majeurs. Euh, C'est un peu comme si euh, un pays, est, parmi les plus fragiles, sortait euh, de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale. Et par ailleurs, il y a un risque de dollarisation, parce que la dollarisation, elle est déjà là. Imaginons que le Mali sorte de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Tous les résidents au Mali ont euh, du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et ils vont le garder, parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide. Donc on a un pays qui, non seulement, va créer sa propre monnaie, mais dans un État, dans un, dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé. Euh, au sens où euh, il utilisera euh, et sa population utilisera essentiellement euh, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, c'est euh, des risques très importants, quel que soit euh, ce qu'on peut imaginer sur le long terme. Et sur le long terme, euh, tous les pays sont capables, euh, s'ils ont les institutions suffisantes, de gérer leur propre monnaie. Mais dans la période de transition, euh, ça risque d'être euh, extrêmement euh, déstabilisant. Et pour répondre peut-être à votre dernière question, euh, les tensions géopolitiques, et les tensions géopolitiques qui en plus se transfèrent à, à travers la monnaie, parce que euh, c'est bien une conséquence de ces tensions géopolitiques qui fait que euh, la Chine... Euh, comme la Russie, et c'est une conséquence directe euh, des sanctions, euh, recherche une dédollarisation du système monétaire international. Et je fais le parallèle avec ce qui se passe en, en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a euh, finalement euh, suscité euh, cette, ces déclarations des dirigeants des pays du euh, Burkina Faso, du Mali et du Niger C'est les sanctions de la CDAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie. Parce que ça, ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces. Si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie pour exercer des pressions pour le changement du système, alors pour ces régimes-là, c'est un risque mortel. Et donc, il faut aussi regarder ce côté politique, ce côté politique des choses. Certes, ça serait un très grand risque pour ces trois pays ou un de ces trois pays de sortir, mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays, eh bien, ça, ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie. Et ce qu'on assiste aujourd'hui en UMO n'est qu'effectivement le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui où les États-Unis utilisent effectivement le dollar. Euh, à titre euh, de sanctions et donc euh, ça euh, présente euh, un danger euh, fort euh, pour euh, la Russie bien sûr et éventuellement euh, un jour euh, pour, euh, pour la Chine donc il y a un parallèle euh, entre les deux et euh, le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques complique aussi euh, évidemment euh, euh, le, le, le problème parce que ces tensions géopolitiques entretiennent euh, les fantasmes euh, aussi dont vous avez parlé et qu'on a évoqué à, à, de, à, de multiples, à de multiples reprises. Fantasmes de, de, de tous les côtés d'ailleurs. Hein. Je vois bon vraiment des monsieur fantasmes Cabriac. Basiques, hein. monsieur de Cabriac. vous voulez peut-être ajouter quelque chose assez brièvement mais... C'est très compliqué d'ajouter des oui. choses oui. déjà ah, après Monsieur Cabriac. C'est encore plus difficile bien, de les retrancher alors. Voilà. Euh, non, c est, c est, c est, ça aurait été... Euh, quelques clarifications quand même. Euh, lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la, la, la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais elle n'est pas. on ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a un, une crise de confiance, c'est parce que le, le seul, la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le, le compte d'opération Trésor, et eh bien, et si à un moment donné vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple d'un point de vue économique, si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire du, de, de, de la garantie. C'est à mon sens, c'est le premier scénario, qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, bon, ben, sur la durée, vous êtes capable de, de mettre vos réserves, euh, ben, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma, ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir euh, l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose la France ne s'est pas retirée, par exemple, en Afrique centrale. Elle est dans la gouvernance de la, la CEMAC, d'une part. Et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la, la, la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinal, on l'a dit, ont été fixés euh, depuis 1945 carrément par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation. Donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, euh, lorsqu'on parle des sanctions, et ça je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette, cette question au, au premier plan. Euh, Voyez-vous, le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme, et M. Cabrec l'a dit, comme le dollar avec, son avec ses, ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 Il y a eu un conflit, un conflit postélectoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné, l'autre candidat, candidat a été investi, donc euh, tout à fait normalement, il a prêté serment, mais la France a pu, avec euh, les institutions du franc CFA, interdire l'accès aux comptes aux candidats qui avaient gagné, ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, part, les banques françaises euh, en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher le, les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles ont fermé en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes anti-France, etc., qu'on ait en, en, en mémoire de tels événements. Le, le Mali ou le, le Niger, aujourd'hui le Burkina Faso, ils ont fait effectivement, euh, ils ont eu des transitions, des, des transitions euh, euh, coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leur compte au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMOA, de la BCAO. Ils n'ont plus accès à leur compte. La conclusion, c'est quoi C'est que finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas de statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions Comment voulez-vous Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, oui. c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de futures élites soient défavorables à sa jeunesse. Je vous, je vous remercie. Je comprends très très bien. Nous comprenons très bien votre logique. Euh, Madame Wisniewski va maintenant s'exprimer pour le groupe Modem et Indépendant Madame la députée du Puy-de-Dôme, vous avez la parole Oui, je vous remercie Monsieur le Président euh, et merci aux trois intervenants ce matin pour euh, ce débat a priori très technique mais qui en réalité est très sensible et recouvre euh, beaucoup de, de réalités euh, qui euh, font débat au sein de, de, de notre commission alors moi j'aurais souhaité peut-être plus particulièrement que Mme Lafito puisse développer euh, un peu l'initiative qui a été prise par les États du Sahel. Nous venons, vous en avez parlé, nous en avons parlé. Euh, le Mali, euh, le Burkina Faso et le Niger qui en septembre 23 euh, ont créé euh, cette alliance des États du Sahel et qui, euh, sont, euh, qui ont mis à leur tête. Euh, une junte militaire qui, qui manifeste, un, un, je dirais, de manière très virulente, c'est vrai, un sentiment anti-français. Mais nous avons déjà beaucoup discuté de, cette, de, ces, de ce contexte. Ils ont euh, annoncé leur départ du, du CDAO en, en janvier 2024. Et cette initiative euh, impliquerait aussi le départ de l'UOMOA. Et euh, même si euh, les devises sont toujours imprimées à que le compte, Monsieur le Président, mais toujours dans le Puy-de-Dôme, bon, c'est un peu euh, anecdotique, mais quand même, je me suis toujours interrogée, d'ailleurs, sur la raison pour laquelle nous imprimions encore ces, euh, ces devises dans le Puy-de-Dôme. Bon, euh, la tutelle de la France, c'est quand même, euh, je dirais, considérablement... Je crois qu'elle n'existe plus. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui a nécessité cette loi. Euh, que, nous avons, euh, que nous avons voté euh, en 2020. Alors, très concrètement, et euh, ma collègue Méric Lapo a rappelé euh, les propos de Stéphane ces journées, euh, c'est à l'Afrique de se, de, se, de se déterminer. L'Afrique est souveraine, s'agissant de cet avenir monétaire en particulier. Mais moi, ce que je voudrais, je voudrais avoir des éléments concrets. Est-ce que ces trois États euh, de l'Alliance des États du Sahel euh, ont les moyens On connaît leurs difficultés euh, euh, la menace du terrorisme, enfin, le terrorisme, c'est plus qu'une menace, je veux dire, la pauvreté. Est-ce qu'ils ont les moyens de créer les instruments, et notamment une banque centrale, enfin, tout ce qui va avec une monnaie euh, euh, souveraine Je vous remercie. Merci, merci Madame la députée. Madame Lafitteau. Oui, je vous remercie. Donc, euh, sur les pays de l'AES, donc on parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, en début d'année, effectivement, ils ont annoncé leur sortie des instances de la CDAO. Euh, donc la CDAO, ce n'est pas l'UEMOA, c'est plus vaste. Okay euh, et, euh, ils ont annoncé cette sortie suite aux sanctions. Effectivement, il y a eu des sanctions euh, fortes de la CDAO euh, suite au coup d'État. Euh, qui ont effectivement eu des impacts sociaux très forts. Euh, on parle de pays où euh, près de 50% de la population vit en, de, vit en dessous du seuil de pauvreté. Or, les sanctions de la, de la CEDAO ont considérablement appauvri euh, les populations de ces pays. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement euh, en médicaments, en biens alimentaires, etc. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, les gouvernements... Euh, de transition de ces pays n'avaient plus accès à leurs réserves de change. Et, euh, et donc, euh, il y a eu. Euh, un... Ils ont été coupés, effectivement, de, euh, de leur compte euh, au niveau euh, régional. Euh, ceci a eu, effectivement, euh, des effets euh, au niveau euh, des, des autorités euh, euh, de transition dans ces, dans ces pays. Sur les, euh, donc, ces pays ont affiché aujourd'hui des velléités pour. Euh, faire une monnaie commune entre eux. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se ressemblent. Et dès lors qu'on se ressemble, euh, on, on appelle ça les zones monétaires optimales, euh, dans le jargon des économistes, on a intérêt éventuellement à s'assembler. Euh, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que pour émettre une nouvelle monnaie, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir avoir la confiance, il faut deux choses. Il faut avoir des institutions solides. Quid de cette question dans cette, question, dans cette région euh, On peut euh, quand même faire l'hypothèse que les institutions sont en ce moment euh, fragilisées, en tout cas. Deuxième question, c'est les réserves de change. Euh, les statistiques montrent qu'en en fin d'année, en fin l'année dernière, seul le Niger avait des réserves de change en accident. Les autres pays étaient en négatif. Et euh, pour le Niger, c'était... Euh, très réduit. Donc si demain ils souhaitaient émettre monnaie commune ensemble, euh, il y a un papier, il y a un excellent papier qui vient de sortir au niveau de l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement en France, qui montre qu'il y a énormément de risques, que c'est un choix politique, mais que économiquement, ça, ça comporterait euh, beaucoup de risques. Un risque de pénurie de réserve de change, un système bancaire euh, sous pression, des effets euh, très compliqué, comme l'a rappelé M. Cabriac, au niveau de l'intégration commerciale. Ça déstabiliserait effectivement l'intégration commerciale euh, au sein de la région. Et puis, euh, des problèmes au niveau des transferts des migrants, puisque aujourd'hui, ils ont des facilités au niveau régional. Donc, euh, euh, le, cette étude montre qu'il y aurait très certainement un coût majeur économique pour ces trois pays s'ils décidaient demain de faire monnaie commune. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On va avancer parce que sinon vous parlerez après, messieurs. Maintenant, c'est monsieur Guillaume Garraud pour les socialistes et apparentés. Monsieur le député de la Mayenne, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pas l'impression. Micro branche Laurence. Voilà. Bon, merci beaucoup aux intervenants parce que oui, vous m'entendez, c'est bon là. Bon, je, je, je voulais remercier les intervenants parce que euh, c'est proprement passionnant. C'est vrai que au-delà d'un sujet euh, technique, il y a bien sûr euh, des enjeux euh, réellement très euh, très politiques. Alors, le devenir du, du CFA du franc CFA, c'est d'abord, vous l'avez tous dit, un, un enjeu euh, politique et économique, je veux dire d'abord, euh, et vous avez montré que d'une certaine façon, euh, il est clair que le franc CFA a contribué à la stabilité, à la stabilité euh, monétaire des États qui l'utilisent. C'est au total 160 millions d'habitants, et les pays de la zone franc euh, en 2020 ont enregistré une croissance positive légèrement positive, semble-t-il, de 0,3%, alors que sur l'ensemble de euh, l'Afrique subsaharienne, on était plutôt euh, en recul à des niveaux euh, proches de euh, moins 1,7%. Et ça a été dit aussi, une inflation euh, relativement faible, plutôt euh, maîtrisée dans les pays qui utilisent cette monnaie. Ça, ce sont des données factuelles économiques. Mais il y a l'enjeu politique, et c'est surtout ça qui nous occupe euh, dans cette euh, dans cette euh, commission. Ça a été très bien dit. Le CFA, c'est euh, le symbole d'un passé qui ne passe pas. Voilà. Bon. et donc il faut euh, agir en fonction de de ça. Et il faut d'abord reconnaître la légitime aspiration des pays à vivre en, en souveraineté, quand même, et la souveraineté monétaire en fait partie, bien évidemment. Et moi je veux le redire et en particulier aux collègues qui euh, ont exprimé des, des sensibilités euh, largement différentes sur ce point-là. Alors, euh, moi je voudrais avoir votre sentiment sur d'abord la, la possibilité, la viabilité de l'écho. Parce que ça a été constamment euh, remisé, remis euh, à des périodes plus... Plus tranquille, est-ce que est-ce que c'est réaliste L'écho. Et vous avez commencé à esquisser des scénarios. Et dernière euh, dernière chose, quelles sont aujourd'hui les stratégies de la Chine et de la Russie vis-à-vis -vis de cette question de la souveraineté euh, monétaire C'est important qu'on l'ait nous aussi à l'esprit. Bon merci monsieur le président. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup. C'est pas seulement un héritage qui ne passe pas, c'est aussi une asymétrie qui persiste. C'est ce qui rend encore plus compliqué la chose. Monsieur Garraud, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Commission, un excellent anniversaire. Yeah. <laughs> qui C'est le vice-président Lecoq qui a attiré mon attention sur cet important événement. Ah, il est bien, ce Lecoq. Hein. <laughs> Tout communiste euh... qu'il est. Qui, qui, qui souhaite répondre, Monsieur Gabriac et Monsieur. Peut-être vous voulez répondre, Madame. Bon, on voit que l'un de, de vous répond. Et si Monsieur euh, Zébelinga veut ajouter quelque chose, ça serait évidemment. Euh, Assez, assez compréhensible. Allez-y, M. Je, 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 je ferai Mais rapidement, concentrez-vous sur l'essentiel. Ça va être euh, très rapide. Euh, une première remarque euh, politique. Il y a quand même une, une grande confusion dans ce débat parce que on a évoqué euh, ici ou là euh, la question de la légitimité. Euh, le fait que ce système monétaire n'avait pas été approuvé par les peuples et avait été décidé par des régimes... Plus ou moins euh, démocratique. Et de l'autre, on euh, invoque le fait de la souveraineté euh, monétaire pour une décision qui est évoquée par les trois gouvernements dont on a parlé, euh, dont on peut constater qu'ils n'ont quand même vraiment rien de démocratique. Donc, euh, cette confusion un peu entre souveraineté et légitimité, euh, si euh, les décisions prises par l'autorité la, politique, euh, ne euh, sont pas légitimes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté enfin, En tout cas, euh, il y a euh, ce en même temps, euh, dans euh, une partie des, des critiques euh, à l'égard du système monétaire tel qu'il est actuel, qui, de, de mon point de vue, est un peu gênant et de toute façon, quand on fait union ensemble, une union économique et monétaire, comme ça a été dit par mes deux collègues, ce qui est important aussi, ce sont les institutions, les institutions au niveau de l'union, mais aussi les institutions dans chaque pays. Et on voit bien que dans l'union économique et monétaire, eh c'est une conditionnalité d'appartenance à l'union, une certaine qualité, un certain modèle des institutions. Et donc, s'il si y a des unions monétaires qui se créent... Euh, que ce soit euh, celle existante ou dans un cadre plus large comme la CDEAO, il y aura nécessairement euh, pour leur approfondissement euh, un euh, con contrôle ou euh, une influence au niveau de l'ensemble de l'Union, au niveau entre guillemets fédéral, euh, sur euh, les institutions. Euh, et donc euh, quelque part euh, une restriction de, de, de la souveraineté euh, de euh, de ce fait. Alors. Peut-être un mot sur l'écho. Euh, je crois que ça a été dit euh, au moins implicitement euh, par euh, Madame Lafitteau. C'est un projet euh, qui euh, est hérité euh, et poussé politiquement euh, par cette tendance panafricaniste euh, qui est aussi très forte en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui n'a pas euh, de vraie réalité économique, qui n'est pas possible... Et d'ailleurs, c'est la raison, la raison été, pour laquelle ça a été, ça a été annoncé il y a 30 ans. Oui. Ça a été expliqué euh, très clairement. Vous, Donc euh, je pense que euh, l'écho n'a pas euh, d'avenir, c'est-à-dire une union euh, monétaire au niveau de la CDEAO n'a pas d'avenir pour une raison très simple. Il n'y a pas le substrat politique euh, qui nécessite, euh, que nécessite une union monétaire, il n'y a pas le niveau de solidarité que nécessite une union monétaire. Et euh, je vous remercie. C'est très clair. Monsieur Zebellinga, monsieur vous voulez ajouter quelque chose Je vous demande vraiment de, de, de parler brièvement vous aurez à nouveau la parole. N'ayez crainte. Euh, quelques clarifications. Tout se passe comme s'il si, euh, y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA. Regardons juste un peu l'histoire. Euh, le, les changements monnaie, le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans, ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, ce n'est pas forcément un gage de développement, au contraire, pour ce qui est des pays en développement. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA, sur 55 quand même. Ça veut dire que les, les autres, le, le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours. Donc, euh, il y a aussi cette. Ça, c'est les imaginaires du franc CFA. Qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA. La deuxième, le deuxième élément qui me semble extrêmement important, surtout pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage. Euh, oui, il peut y avoir des secousses, mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre les, les, la gestion, le, comment soutenir son taux de change, etc., etc., et comment ils vont être amenés Peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir euh, voilà, ne pas trop dépendre d'une de, de, matière première, etc. Donc je pense que raisonner sur. Euh, il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA. C'est pour ça que le, le thème m'a beaucoup plu, le devenir du français. Le devenir, le devenir ce n'est pas l'avenir. Le devenir, il y a la dynamique, mais il y a le changement d'État dans le devenir. Donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays-là. En dehors du franc CFA, sans que ça ne fasse peur particulièrement. Il peut y avoir des secousses. Le, le, le franc français a, a, a subi des secousses. Il y a eu des dévaluations, il y, a, il y a eu des appréciations, il y a eu le franc fort, etc., etc. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas souhaiter une forme de, de, de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité. Comment voulez-vous expliquer que les, les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans, alors que tout autour d'eux, leurs propres caractéristiques ont changé Vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers, qui seront bientôt pétroliers, alors qu'avant, ils étaient des pays agricoles. Donc, vous allez toujours garder le même, voilà, cette même architecture Je pense que ça pose problème. Je vous remercie. Effectivement, c'est de ce problème que nous débattons. Euh, pour. Euh... Horizon et apparenté c'est monsieur le député du Calvados M. Wix qui va s'exprimer. Merci monsieur le président et merci en fait pour l'excellence des interventions sur ce sujet. Euh, moi je voudrais revenir en fait sur euh, des propos qui ont été tenus concernant le rôle en fait euh, sur les importations-exportations. Euh, on a vu que la faiblesse de l'euro elle peut avoir des conséquences bien évidemment sur les ménages européens euh, en impactant directement l'inflation. Mais vous l'avez dit, euh, Madame euh, Lafito, elle a également euh, des répercussions sur le continent euh, africain, euh, notamment pour les États africains qui sont indexés sur l'euro par le franc CFA. Euh, vous l'avez dit également, à première vue, euh, les pays exportateurs africains de matières premières peuvent être gagnants euh, de cette parité monétaire, mais l'effet de compétitivité lié à la baisse du franc CFA est limité par le fait que ces exportations, vous l'avez souligné, sont principalement libellées en dollars. Par ailleurs, et c'est la conséquence, ceux qui importent voient ces prix d'importation également se réenchérir sous l'effet du même mécanisme. Ça alimente donc la flambée des prix de l'énergie, comme des denrées alimentaires, qui étaient déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine. De nombreux pays à bas revenus ont dû conclure contracter des emprunts en dollars pour faire face notamment à la pandémie de Covid. Pour les pays très endettés en dollars, la dévaluation du franc CFA pèse lourdement sur les finances publiques. Les pays de la zone CFA subissent la volatilité de l'euro, qui a des conséquences sur leurs dettes et sur leur balance commerciale. Là aussi, vous l'avez fort bien souligné. Aussi, euh, du coup, j'aimerais vous réentendre euh, sur les solutions qui peuvent être envisagées pour pallier à ces difficultés, Existe-t-il, selon vous, un système alternatif permettant de renforcer la capacité des États africains à exporter et à importer et donc Je voudrais que vous reveniez en fait sur ces notions d'importation et d'exportation, plus particulièrement liées au dollar. Merci. Je vous remercie. Je crois que le temps presse. On va avoir un seul intervenant en réponse. et Je pense que Mme Lafitteau est au, au cœur de la, du problème, même si les autres ne sont pas à la périphérie. Donc sur les importations et les exportations, est-ce que euh, la question elle est légitime, c'est de savoir est-ce que le franc CFA est surévalué et donc encouragerait les importations et découragerait les exportations. Euh, pour cela, il faut regarder quelle est la composition de ces importations et de ces exportations. Donc sur euh, les exportations, euh, les pays donc, euh, exportent plutôt des matières premières. Et là, euh, on est moins sur cette, cet enjeu de compétitivité puisque les prix sont fixés sur les marchés internationaux. Donc, quand vous avez des produits manufacturés, vous pouvez avoir l'effet prix, il est très important, parce que vous, vous pouvez gagner ou pas en compétitivité. Dès lors que vous exportez des matières premières, c'est un peu plus difficile. Même si ça existe, c'est un peu plus difficile. Sur les importations, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils importent Ces pays, ils importent essentiellement de l'énergie, des biens alimentaires et des biens d'équipement. Donc là, euh, L'effet prix, il peut jouer, mais il y a un effet volume. Est-ce qu'ils ont la capacité de substituer C'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'étranger euh, sur ces pays et ils ont une monnaie assez forte, donc, pour pouvoir payer ces importations. Est-ce qu'ils auraient la capacité, si, effectivement, euh, on, on dévaluait, euh, d'avoir des, des alternatives au niveau euh, régional euh, Donc, effectivement, euh, c'est une question légitime. Idem pour la dette. C'est une question euh, au niveau de l'endettement, puisque effectivement, ces pays, comme euh, l'ensemble des pays euh, en développement, s'endettent en dollars. Donc, dès lors qu'on a une monnaie forte, plus, plutôt forte, en, en tout cas dès lors qu'on est arrimé à une monnaie forte, ça permet que la facture du service de la dette soit plutôt maîtrisée. Dès lors que vous sortez de ce système et qu'il y a une éventuelle dévaluation, euh, votre facture, elle explose. Voilà. Donc euh, voilà les éléments de réponse par rapport merci. à ces deux questions. Merci, merci infiniment. Euh, maintenant, pour euh, la gauche démocrate et républicaine, pour GDR, c'est le vice-président, M. Lecoq, qui est député du Havre. Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai au moins une personne pour euh, me répondre, vu la courbe euh, entre euh, trois au début, deux, puis une. C'est provisoire. Voilà, on va remettre à zéro. C'était seulement une, non, non. Une, un rappel avez, au règlement. Vous pouvez vous répondre à vous-même. <laughs> merci. Bien, moi je pense, et je vous remercie de, de vos interpellations, de vos présentations, parce que c'est un sujet qu'il était temps que notre commission euh, aborde. Je pense que la monnaie est l'un des attributs du pouvoir égalien des États, et, et, et je pense que la dépendance de la zone CFA, de la politique monétaire de la zone euro, est une aberration complète. Il est temps que ces États se libèrent enfin de cette survivance coloniale. L'urgence est donc que la France lâche ses intérêts propres et cesse toute ingérence. Dans la politique monétaire et donc économique de ces peuples. Les peuples africains de l'Ouest aspirent à ce que l'on appelle la deuxième indépendance, c'est-à-dire qu'après l'indépendance politique, il est désormais recherché l'indépendance économique et monétaire. Peut-être que la récente élection de Faye au Sénégal en est aussi le résultat. Ce carcan monétaire qui, malgré la pseudo-réforme de 2019, n'a pas coupé le triple lien ombilical qui relie le CFA à la zone euro, permettant à toute entreprise, on n'a pas beaucoup parlé, présente dans la zone euro, et qui fait du commerce dans la zone CFA de bénéficier un d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité France CFA euro, deux, de convertir ses profits réalisés en France CFA vers l'euro grâce à la convertibilité illimitée et puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro, ce qui limite largement les rentrées fiscales par ces États. Ce circuit de rapatriement des capitaux hors de la zone France-CFA grève les finances des États utilisant cette monnaie. Or, pour ceux désendettés, les États ne peuvent agir sur leur monnaie puisque le pilotage du franc cfa revient de fait à la Banque Centrale Européenne. La boucle est bouclée. Comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation Vous avez abordé un certain nombre de solutions. De nombreuses solutions semblent exister. Ce sera au peuple et aux États de faire leur propre choix. En attendant, nous sommes à la Commission des Affaires étrangères en France. Qu'est-ce que la France peut faire pour pousser vers une réforme des droits de tirage spéciaux, par exemple ce panier constitué par les plus fortes devises du monde et du Fonds monétaire international pour permettre un financement plus juste de ces économies qui souffrent et comment faire, d'après vous, pour accélérer à la fois l'aide de ces États qui souffrent de cet arcanisme monétaire et pour les aider à terme et selon leurs conditions pour sortir de cette situation Et enfin, j'insiste aussi sur la question des BRICS et des BRICS parce qu'ils ont évidemment dans toutes leurs réunions la question euh, monétaire qui est posée et, et leur approche euh, euh, par rapport à l'Afrique et, et ça me semble important que dont vous entendiez à nouveau là-dessus. Oh merci, vous avez vu, je ne vous ai pas, ai pas mis le petit. Et vous avez vu Je sais que ça vous irrite, mais je sais que vous surveillez très bien votre temps de parole, monsieur. Monsieur Cabriac, je crois que c'est peut-être vous qui pouvez euh, répondre enfin, tous les trois peuvent répondre, mais euh, je crois que ça, ça ne s'adresse plus directement à vous. Alors je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais effectivement, euh, ah, je, je voulais faire une réponse sur, sur 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 trois points, parce que je crois, euh, Monsieur le Député, que votre intervention illustre bien euh, ces deux <laughs> pôles du débat, le pôle symbolique et, et le pôle, si je puis dire, économique, euh, et, et les, les contradictions qu'il y a entre. Eux. Vous, vous avez dit, c'est une aberration complète de rattacher ces monnaies par un taux de change fixe à l'euro. Je voudrais répéter que c'est un choix qui est fait par une majorité de pays en développement, une grande majorité. Donc c'est peut-être une aberration, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est seulement euh, un archaïsme issu euh, de la période coloniale. Euh, c'est euh, un choix économique qui a été fait, justifié ou pas, on peut en discuter. Et je, je pense que le débat doit être très ouvert pour en discuter. Mais en tout cas, je pense que le terme aberration... Euh, et reste colonial illustre plutôt le côté symbolique du débat euh, que euh, le côté réel. Vous avez parlé d'un sujet qui n'a euh, pas été évoqué encore euh, aujourd'hui et qui est la sortie de capitaux, qui est euh, aussi quelque chose qui a été euh, invoqué. Alors il y a plusieurs, c'est très difficile euh, de regarder euh, les sorties de capitaux euh, illégales ou informelles parce que justement, elles ne sont pas répertoriées. Mais les études qui ont été faites, notamment au niveau du Fonds monétaire international, ne montrent pas d'effet particulier. Il y a de fortes sorties de capitaux de l'Afrique subsaharienne qui tiennent à un certain nombre de facteurs effectivement le manque de confiance, le fait que les investisseurs veulent rapatrier rapidement leurs profits, parce qu'après, ils ne savent pas s'ils pourront le faire, et qui est commun à l'ensemble des pays en développement, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'effet significatif de la zone franc, en tout cas quand on essaye de le regarder, sous réserve que toutes ces études, effectivement, ont des biais, parce qu'il n'y a pas de données tangibles et incontestables des sorties des capitaux. Et puis, il y, a, il y a un dernier point que, qui n'est pas tout à fait dans votre question, mais que je souhaitais aborder, parce qu'il n'a pas été abordé, euh, c'est le sujet des effets redistributifs de ce système. Souvent, on a dit, dans le passé, euh, et dans un passé encore relativement récent, c'est un système qui profite aux élites de ces pays, parce que ils vont pouvoir financer leur appartement en France, leurs dépenses en France, leur consommation, leurs enfants qui viennent faire des études en France. Et à l'inverse, ça désavantage les plus pauvres, qui sont les paysans, les agriculteurs, qui souffrent de la faible compétitivité de leur production locale par rapport aux produits alimentaires importés. Et il y a tout à fait une réalité dans cette, dans cette critique. Mais il y a une autre réalité aussi, et je vous renvoie à une étude qui a été faite récemment sur la Ferdi, qui démontre effectivement qu'il n'y a pas d'avantage significatif en termes de développement économique et de croissance, mais qu'il y a un avantage quand même en termes de stabilité monétaire, et que cet avantage en termes de stabilité monétaire, il a des effets redistributifs positifs. Pourquoi Eh bien, on l'a vu lors de la dernière poussée d'inflation en France, parce que quand il y a de l'inflation, c'est d'abord les, les pauvres qui en souffrent. Et quand il y a de l'inflation euh, et qu'en plus il y a une dollarisation de l'économie, euh, c'est encore plus les pauvres qui en souffrent parce qu'eux, ils ne peuvent pas accéder euh, au dollar, ils ne peuvent pas accéder à une monnaie étrangère, ils ont beaucoup plus de difficultés et euh, leur monnaie, elle, euh, elle fond euh, à une vitesse très rapide. Donc il y a oui, des effets redistributifs positifs et je vous renvoie à cette étude de la Ferdi euh, du, du système. Euh, du système de taux de change fixe, hein, euh, du système tel qu'il est euh, aujourd'hui. Et c'est quelque chose, probablement, à ne pas oublier non plus euh, dans, euh, dans l'équation. C'est très précieux, très précieux conseil de lecture. Euh, le dernier orateur inscrit au titre des groupes, je ne dis pas au nom des groupes, car c'est un non-inscrit, c'est M. Dupont-Aignan. Merci, M. le Président. Merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique. Moi je ferai deux remarques, l'une politique et l'autre économique. Et je vous poserai deux questions. La première, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté. Ah. Si, heureusement que tu es là pour m'aider à défendre la nation. Euh, Excellent conseiller en communication. Euh, donc, euh, premier point, et on a perdu l'habitude dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté euh, nationale sans souveraineté monétaire. Et donc, euh, comme nous sommes euh, euh, depuis tant d'années victimes industriellement, économiquement, politiquement euh, de cette dépendance à l'euro, eh bien nous avons perdu l'habitude de la souveraineté. Mais moi je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir. Et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur ce, cette zone de France CFA. D'ailleurs elle a perdu une partie de son pouvoir, elle en devient le bouc émissaire et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique. Euh, à cause de cela. Donc je crois qu'il faut regarder les choses en face. C'est perçu, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est perçu comme euh, le maintien d'un lien euh, ancien. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire, car si on ne le fait pas nous, ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront. Donc arrêtons nous aussi de mettre de la passion dedans. Le deuxième point est économique. Euh, je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole, industrielle. Pour connaître le Sénégal assez bien, euh, ce pays importe tout, et quand on a une monnaie trop chère, arrimée à l'euro, on ne peut pas se développer. C'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la, la dévaluation pour se développer, et qu'on le nie à ces pays. Donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe. La question est le niveau du taux de change. On peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer. Regardez la stratégie qu'a eu Singapour, qu'a eu les pays d'Asie, que les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change. Donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système, de le faire le plus vite possible, car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique. Et, et si nous continuons... Comme cela, nous aurons un sérieux problème. Alors moi, la question est très simple. La difficulté, bien sûr, c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système. Et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système. Est-ce que ce n'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. La difficulté, c'est pour les pays qui n'ont pas d'institution solide. Et là, la difficulté est énorme. Parce que je ne crois pas du tout, et vous avez raison de le dire, à l'écho, c'est par une une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver, je pense. Bien, je vous remercie, monsieur... Est-ce que, monsieur euh, Zebedinga, vous, vous, vous êtes peut-être désireux de réagir à ces propos Merci, monsieur le Président. Et madame Lefito, après. Euh, alors, déjà, je, je voudrais pouvoir dire deux choses sur les avantages qui... Se paraissent être évidents du franc CFA. Euh, le premier, je vais peut-être me répéter, mais le premier, c'est la stabilité monétaire. Euh, je, je suis convaincu, mais ce n'est pas l'espace pour en discuter, euh, je suis convaincu qu'il y a quand même des trous dans la, les sciences économiques, mais alors c'est comme des, toutes les sciences, et qu'on ne sait pas exactement utiliser des indicateurs qui ont été construits dans les sociétés et les économies développées, on ne sait pas toujours les utiliser dans des contextes de pays en développement, notamment. Si nous avions, nous avons le franc CFA qui existe depuis 80 ans et qui apparemment euh, est stable et effectivement il y a moins d'inflation. Alors si réellement on produisait moins d'inflation sur la durée, ça se verrait au moins sur les différentiels de, de niveau de pauvreté. Mais on n'a pas une zone qui fait moins de pauvreté que les autres. Donc ces effets redistributifs qui sont théoriques, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur donner une concrétude. Euh, ça, c'est un des aspects sur lesquels je, je pense que on peut, on peut nuancer vraiment beaucoup le, le, le débat. Je suis absolument d'accord pour dire autre chose, c'est que, comme ça vient d'être dit, la question de la production, de la transformation productive, est absente du débat sur le développement et du débat sur le Franc CFA. Elle est absente de l'architecture du Franc CFA. Ça veut dire que, implicitement, implicitement, on a accepté le niveau de développement qui est en fait un niveau de sous-développement de ces pays, et puis on gère une forme de stabilité, ce qui est effectivement problématique. J'en veux pour preuve, c'est que vous n'allez pas trouver, dans les même dans les rapports, vous n'allez pas voir le niveau d'industrialisation de ces pays, on n'en parle plus. À un moment, on a même parlé de désindustrialisation précoce. Voyez et donc c'est finalement assez normal qu'il y ait que les gens se sentent mal, qu'on ait d'un côté des indicateurs qui donnent l'impression que tout va bien, mais que les gens, concrètement, ne se sentent pas si bien que ça. Et je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'irrationalité. C'est peut-être qu'on n'a pas les bons outils. La solution, probablement, à mon sens en tout cas, serait, bon, d'une part, pour la France, à mon avis, de retirer sa garantie hein, et de laisser les pays s'organiser, parce que ça restera de leur domaine. Ils ont des agendas avec l'Union africaine. Ils ont un agenda 2063, ce qu'ils peuvent mener. Et je pense que c'est peut-être la solution. Mais au sein de cette solution, je crois qu'il faudra aller vers des monnaies que je dis. Pan-africaine, transformationnelle, alternative et holistique. Je n'ai pas le temps de développer. Pan-africaine, c'est solidaire. Mais en tout cas, transformationnelle, c'est la transformation productive. On doit avoir, dans la gouvernance des monnaies, intégrer des, 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 des indicateurs de transformation économique. Sinon, on va avoir de la croissance sans développement. C'est très, très, très clair et très intéressant comme perspective, même si c'est pas très facile à mettre en œuvre. Euh, Est-ce que euh, Madame Lafitte voulait ajouter quelque chose ou pas si Vous n'êtes pas obligée. Oui, tout est possible. Okay. Très rapidement, effectivement, je pense que la bonne question c'est de savoir quel est le meilleur système monétaire pour accompagner le système productif euh, dans la zone, et, euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire en ayant une réflexion sur quel est le meilleur système monétaire, c'est-à-dire par rapport à, au régime de change. Euh, vous avez posé la question des monnaies nationales. Donc, ça, on l'a abordé avec. Euh, la, tout pays a la capacité de sortir euh, de l'Union. Euh, ça comporte des avantages et ça comporte des inconvénients. Sur les risques, j'en ai parlé il y a un risque au niveau de l'endettement. Il y a également un risque, on en a parlé, sur les réserves de change. Est-ce qu'ils ont suffisamment de réserves de change pour arriver à maintenir une future monnaie qui aurait une valeur stable Et donc ça, par exemple, les pays de l'AES ne remplissent pas ce critère, le Sénégal très peu. Et puis, je dirais que sur la velléité d'avoir une monnaie nationale, il me semble que c'est en contradiction avec ce qu'on voit dans la volonté panafricanisme. Des, de ces pays qui souhaitent plus d'intégration régionale. Or, si vous souhaitez plus d'intégration régionale, il me semble que c'est euh, contradictoire de sortir d'une union. Voilà. Je vous remercie. Euh, les, les groupes se sont, euh, se sont exprimés. Maintenant, j'ai encore quelques questions donc individuelles, euh, comme on dit, une minute chacun. Euh, je crois qu'on va demander, <laughs> vous allez vous adresser à l'un de nos, pas, pas aux trois, à, à, à celui de... Alors sinon, si vous ne le faites pas, je le ferai. Et à la fin, quand nous aurons terminé, je crois que nos interlocuteurs, nos invités, pardon, pourront effectivement ajouter un mot de conclusion pour essayer de compenser la frustration euh, auquel je n'ai pas cessé de les condamner. Euh, la première à poser la question sera Mme Tinkert, qui est députée du Haut-Rhin. Merci, président. Euh, question prononcée. Bellinga. Euh, Jusqu'à l'arrivée du numérique, la population africaine n'avait pas accès aux moyens, aux moyens de paiement parce qu'il n'existait pas de modèle économique pour la bancarisation massive du continent. Avec le mobile money, tout a changé évidemment. Ceux qui possèdent maintenant un téléphone portable ont accès à une solution de paiement universelle, un porte-monnaie électronique qui est disponible sur tous les smartphones. Et ce système met fin peu à peu à un système qui reposait sur l'argent liquide et l'argent informel. Est-ce que cela peut contribuer à une meilleure traçabilité des fonds, aussi bien pour les États que pour les éventuels fonds illicites Je vous remercie. Merci. Vous posez la question à qui Pardon À M. Zemling. Attention, réponse, une minute, M. <laughs> euh, je pense Je pense surtout que ça. En tout cas, dans les rapports, ça participe de ce qu'on appelle l'inclusivité monétaire. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes en banque, etc., etc. Eh bien, ils peuvent avoir, disposer d'argent et utiliser, faire circuler un peu plus la masse monétaire. Donc, ça, ça peut avoir un, un aspect positif. L'aspect qui est un peu plus problématique, c'est qu'on transforme des acteurs de l'espace télécom en banquiers, quelque part, un peu. Et donc, et sans les mêmes règles, sans la même déontologie. Et donc, ça peut poser des problèmes. Mais je pense que c'est un ensemble d'innovations qui peuvent aller dans le bon sens. Ça, c'est certain, certain. Mais le fond de la question, euh, à l'arrivée, ça restera sur les aspects, à mon sens, sur les aspects productifs. Comment, comment est-ce que le numérique, éventuellement, mais surtout l'institution bancaire, l'institution financières et les arrangements institutionnels peuvent amener à créer des incitations pour aller vers de la production et la diversité, euh, la diversification productive. Merci, Madame. Très bien, c'est un leitmotiv que vous avez tout à fait raison de souligner. La, le, maintenant, la parole est à Monsieur Alain David, qui est député socialiste de la Gironde. Merci, Alain, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le, le souhait de souveraineté monétaire formulé par ces nouveaux dirigeants et par ces nouvelles élites africaines. Le débat peut parfois rejoindre d'ailleurs les débats qui pouvaient exister dans certains pays européens, euh, dans lesquels euh, l'indépendance de la BCE et la politique de l'euro fort pouvaient interroger. Ainsi, une faible croissance et un chômage élevé pouvaient constituer des problématiques apparemment plus préoccupantes qu'une faible inflation. Ces questions se posent beaucoup moins. Depuis que la crise sanitaire et que la crise financière ont poussé les pays européens vers la solidarité financière, les eurobonds, la dette commune, et finalement, à votre avis, une union monétaire élargie et ambitieuse, et surtout solidaire, par exemple entre les pays de la CDAO, serait-elle de nature à éviter que la question ne soit montée en épingle Merci. C'est une question que vous posez à qui À celui qui veut la prendre. Bon, ben, madame Lefito. Ok, je pense que j'ai déjà répondu sur la question de la CDAO. Effectivement, sur la CDAO, le projet, ce projet date d'il y a 30 ans. Euh, L'idée de ce projet, c'est d'abord de faire une monnaie commune elle existe déjà en mieux mois, c'est-à-dire les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, et puis euh, de d'intégrer les, les sept autres euh, pays à la, à la CDAO. Ce projet semble ne pas avoir d'avenir. Pourquoi? Parce que comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, il n'y a pas une volonté politique de solidarité, de mise en commun des réserves euh, de change euh, au sein de cette zone. Politiquement, euh, il n'y a pas de volonté d'intégration. Et puis deuxièmement, comme je l'ai rappelé, euh, on a le géant euh, de l'Afrique qui est à l'intérieur de cette zone, le Nigeria, qui est contracyclique par rapport aux autres pays puisqu'il est largement exportateur de, pét de pétrole alors que les, les autres importent de l'énergie. Et donc, ils n'ont pas de raison d'avoir une monnaie commune. Donc il semblerait que euh, ce, ce projet soit euh, dès à présent joué, voué à l'échec et c'est ce qu'on voit puisqu'il reporte depuis 30 ans euh, les, les, les réunions et les, et les avancées sur, sur ce projet. Je vous remercie, c'est une réponse très claire. Euh, maintenant la parole est à Madame Galzi qui est députée Rassemblement national de l'Hérault. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, la France, en raison de son histoire avec l'Afrique, a participé à la création du franc CFA. Ce dernier fait l'objet de nombreuses critiques. Pour certains, il est considéré comme le symbole de la France-Afrique, tandis que pour d'autres, il est un outil économique pour le développement de ce continent. Les devises du franc CFA sont utilisées par une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Elles sont liées à l'euro, à un taux fixe garanti par le Trésor français. Plusieurs États africains considèrent par principe qu'ils doivent avoir leur propre monnaie. Ils pensent que ces devises sont devenues un inconvénient pour leur développement économique. Un pays qui déciderait de quitter le franc CFA, par exemple le Sénégal, devrait mettre en place une nouvelle monnaie stable pourra-t-il garantir son taux de change Je vous remercie. Euh, qui, qui souhaite répondre Monsieur Dzebelinga, peut-être euh, La Des question minutes, pourrait hein. se poser pour tous les pays qui ont, une, ont leur propre monnaie. Et je, je, je me répète malheureusement, il n'y a pas de fatalité à ce que quand on, on, on change de monnaie ou qu'on sorte du franc CFA, que sa monnaie chute. La, la, la garantie, en fait, pour, pour soutenir une monnaie fondamentalement, ça a été dit, il faut une gestion des réserves et il faudrait évidemment des institutions. Pour ce qui est du Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement Ils ont dit, soit nous passons par... L'intégration régionale, la monnaie commune, la CDAO. Si le projet n'avance pas, donc l'échéance est 2027, alors nous procéderons à une sortie individuelle. Et ils ont précisé un certain nombre d'éléments. Premièrement, ils vont travailler sur le cadre macroéconomique, euh, donc à, à avoir des bons fondamentaux macroéconomiques. Ils vont travailler à sécuriser leurs réserves, c'est ce qu'ils ont annoncé déjà, avant de sortir de, de du franc CFA. Les... Moi, je pense que est-ce que le Sénégal peut le faire Je pense que oui. Un, ils ont la légitimité populaire. Ils ont également la maturité euh, populaire. Les gens sont prêts à les soutenir dans cette direction. Et ils sont tout à fait conscients que une monnaie n'est pas forcément vouée à être tout le temps au même niveau. Voilà. Et je pense que oui, ce serait, un, ce serait une bonne chose. Ça entraînerait d'autres peut-être. Là encore, une réponse très claire, euh, Madame. Euh... Euh, monsieur, monsieur Philippe Emmanuel, il est... ah oui, car shape. Je, je vous en prie. Merci, euh, Monsieur le Président, euh, euh, Madame, Monsieur, Messieurs. En, en mai 2020, l'Assemblée nationale a validé ce que les présidents ivoiriens et français, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, avaient négocié, c'est-à-dire officiellement entériné la réforme du franc CFA et annoncé l'objectif du passage vers une nouvelle monnaie, l'éco. J'ai en fait deux questions. La détérioration des relations entre la France et certains pays de l'UE-MOA, principalement du Sahel, est-elle de nature à remettre en question l'aboutissement, sinon l'existence, de cette réforme Dans un contexte où le franc CFA semble rejeté par de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, est-ce que le maintien de la garantie par la France ne serait pas de nature à nourrir et amplifier ce ressentiment Dans ce cas, y aurait-il une autre alternative Peut-être M. Cabriac qui pourrait se dévouer. Je ne me dévoue pas parce que je, je crois que euh, vous, vous posez des questions intéressantes et qui me permettent de revenir sur, euh, euh, me semble-t-il, deux points forts. De en une minute, ça va être très difficile. Deux hein. confu non, 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 non. Parce que c'est un point fort de confusion du débat. C'est-à-dire qu'on dit euh, qu'il euh, faut réformer le système parce que euh, il y a une forte demande de, de souveraineté monétaire, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Et en même temps, des propositions qui sont faites, par exemple dans mon voisin de droite, c'est que la France renonce unilatéralement à sa garantie. Ça me paraît totalement contradictoire. Il faut attendre la demande, et je crois que notamment le ministre des Finances français a été très clair là-dessus. Si les Africains demandent le retrait de la garantie, la France le retirera. Mais il n'y a rien de plus attentatoire à la souveraineté monétaire que de faire des actions unilatérales et de retirer la garantie. Même confusion dans le débat euh, sur euh, le, les unions monétaires. Il y a des tendances centrifuges évidentes. Et pourquoi le Sénégal Et pourquoi en ce moment C'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement de régime démocratique, parce que le Sénégal va devenir un, un, un producteur de pétrole et donc va avoir ses propres réserves et qu'il n'a pas envie de le partager alors qu'avant, il en bénéficiait. Et ça, c'est un, un degré de mutualisation très fort. C'est-à-dire que, comme l'a dit Mme Lafitteau tout à l'heure, euh, la Côte d'Ivoire est allée emprunter sur les marchés internationaux pour contribuer aux réserves euh, globales à des taux très élevés, dont elle supporte le poids et dont elle fait profiter les autres, les pays sahéliens, le Sénégal. Et on voit bien aujourd'hui dans les réactions euh, de ces pays, et notamment du Sénégal, qu'à partir du moment où ils deviennent... Non plus bénéficiaires, mais pourvoyeur de devises du système, il y a des tendances centrifuges. Et là, c'est aussi une, une petite confusion entre le débat politique et le débat économique, parce que ces tendances centrifuges qui ont une réalité économique forte, euh, eh bien, elles sont contredites par le, dé, par le discours politique qui est toujours celui de créer euh, une monnaie. Et je, je trouve, et là, ce sont des propos euh, que j'attribue euh, uniquement à moi-même, je trouve quand même assez extraordinaire euh, d'essayer de justifier. Euh, ce retour, pour des raisons euh, probablement relativement euh, égoïstes, euh, à une monnaie nationale par une perspective de monnaie euh, régionale, voire panafricaine, dont on sait très bien euh, qu'elle est au mieux à très long terme et au pire fantasmatique. Donc il y, y a beaucoup de confusion dans ce débat et on demande tout euh, et, et n'importe quoi et parfois des choses contradictoires. C'est très clair. Madame euh, Merci Madame Yassoudé, qui est députée de la France insoumise, euh, de la Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un fait le franc CFA, monnaie arrimée à l'euro, ne permet pas un développement favorable des économies locales. Comment des politiques monétaires établies en Europe pourraient-elles prendre en compte les réalités locales en Casamance ou à Yamoussoukro la Macronie ne cesse de s'étonner du sentiment dit anti-français régnant dans ces pays et semble effarouchée face à une jeunesse qui exprime des idées décoloniales et revendique la suppression du franc CFA. Les populations ne sont pas dupes d'un gouvernement français qui entretient un système néocolonial, en soutenant les autocraties pour garantir ses intérêts comme au Tchad, en maintenant sous pression économique des peuples qui veulent se libérer d'une oppression monétaire comme au Mali ou au Burkina Faso. La diplomatie française a toujours préféré les solutions simples, la facilité de l'autocratie plutôt que la souveraineté des peuples, les vestiges monétaires coloniaux plutôt que des économies souveraines. N'est-ce pas ce qui, aujourd'hui, asphyxie la mise en application d'une réelle alternative au Franc CFA Merci, Madame la députée. Quel est celui ou celle d'entre vous qui souhaite apporter une réponse à Madame Soudé ce pas une question, donc ça n'a pas de réponse. C'est une profession de foi. Madame Soudé, maintenant, c'est Monsieur Jérôme Buisson qui va parler pour une minute. Oui, merci, Monsieur le Président, M. M. Zebelinga. Vous militez pour la fin du franc CFA, euh, pour les pays qui le souhaitent, et c'est à eux de, de le décider. Ils sont d'ailleurs libres d'en sortir. Que faites-vous, j'ai deux, trois questions, que faites-vous des pays qui souhaitent y rester, euh, à ceux qui ne sont pas capables actuellement euh, de s'en passer c'est aussi une réalité économique et non seulement colonialiste. Vous dites que le franc CFA n'apporte pas un plus au pays qui, qui le pratique, mais avez-vous d'autres éléments pour nous éclairer sur quoi c'est un, un poids et euh, si l'Afrique, euh, vous savez aussi, un pays souverain euh, peut, avec sa propre, euh, peut perdre sa souveraineté même avec sa propre monnaie. Si l'Afrique a tourné la page euh, de la colonisation, et l'Europe aussi, il reste en effet des marques de cette euh, période, comme il reste en France, j'allais dire parfois, des marques de l'Empire romain ou napoléonien. Euh, Est-ce qu'il ne mérite pas d'être sauvé pour le bien des économies africaines car c'est là la seule question qui vaille parce qu'à vouloir l'écho ils vont parfois se retrouver peut-être avec le bitcoin euh, ou avec euh, le dollar ou même euh, une domination chinoise donc il faut peut-être bien réfléchir merci je vous remercie monsieur le député bien quel, qui euh, comment c'est monsieur Zebelinga qui répond parfaitement moi wow, c'est ça fait beaucoup de questions euh, voilà. C'est ce qui m'inquiète. <laughs> Alors, qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient euh, rester dans le Franc CFA bon, vous savez que les, les accords, ils sont, les, les traités sont écrits, euh, et donc un pays peut euh, sortir sans préjudice de la continuation de, 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 du traité. Donc, n'importe quel pays peut décider de sortir. Euh, les accords qui ont été signés resteront euh, valables pour les autres. Donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture, ils seraient libres de le faire, euh, au moins ils auraient choisi euh, ils auraient exprimé un acte de choix qui à mon sens n'a pas été fait depuis les, les indépendances. Euh, Est-ce qu'il faudrait sauver des marques ou euh, euh, aller vers l'écho? Sauver des marques il y, a, il y aura toujours une trace, il y aura toujours une trace de l'histoire, on est on est, aussi, on est tous faits d'histoire. La question c'est qu'à un moment donné, et il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources, etc. Aujourd'hui, vous voyez, notre débat aujourd'hui, on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA, comme si on avait le choix entre des unions monétaires et des unions monétaires. Alors qu'on doit justement, les pays africains en tout cas, doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation. Rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires, des systèmes monétaires solidaires, sans forcément avoir une monnaie unique on peut avoir un degré de mutualisation des réserves, par exemple, ou à des degrés d'assistance de, de, mutuelle, par exemple, ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe. C'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées. Donc il y a, il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas à, aux changes fixes, aux changes flexibles et aux unions monétaires telles qu'elles existent. Et là, je suis d'accord avec vous, la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens-là. Donc euh, la suite, à mon avis, c'est d'abord la, la volonté des peuples, la volonté des États, et puis le projet. Le projet principal, c'est un projet transformationnel global. La monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel. Il faut comprendre aussi que la, la, la question qui se pose, c'est que les Africains ont vu pendant deux décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement, pays pauvres, pays émergents, aujourd'hui à pays quasiment euh, puissants. Et que pendant le même temps, avec les instruments qui étaient entre autres le CFA, mais pas que le CFA, euh, la coopération avec l'Europe, etc., eh bien, en fait, le sous-développement a stagné. Et il y a aussi, par rapport à ça, une frustration et un besoin de changement de paradigme. Je vous remercie. Je crois que vous avez conclu pour votre part, M. Zebelinga. Oui. Euh, Je crois que tout le monde a compris votre message, qui est un statu quo fondamentalement insatisfaisant. À vos yeux sur plusieurs points et une perspective transformationnelle qui reste effectivement à, à, à dessiner, à articuler plus précisément. Est-ce que, euh, monsieur est que vous voulez euh, conclure pour ce qui vous concerne Alors, je vous demande tout, tous les deux, vous, vous avez écouté, vous avez participé à ce débat, je vous demande d'en retirer en une minute ce qui vous paraît être l'enseignement cap capital. Euh, la, la doctrine des grands communicants USM. Un seul message. Quel est votre message, M. Cadriac Je crois que mon message, c'est un message de cohérence et que si le problème est une perception d'une souveraineté monétaire qui a été confisquée par la France, eh bien, le rôle des autorités françaises dont vous êtes... C'est de respecter la volonté des peuples. Et donc, de n'intervenir premièrement que sur ce sur quoi nous avons effectivement le droit et le devoir d'intervenir, qui est la garantie française, et de l'aménager, de la retirer ou de la maintenir, mais aussi en fonction de la demande de ces États. Voilà. Et il est quand même très clair que le débat. Brouille le fait qu'il n'y a pas vraiment de demande, une expression du fait qu'il n'y a pas vraiment de demande, c'est que si vous imaginez une zone monétaire dans laquelle quatre pays, euh, c'est-à-dire presque une majorité de pays, réclament de sortir de cette union monétaire, hein, vous imaginez que normalement, euh, il devrait y avoir une perte de confiance totale dans la monnaie. Comme l'a dit Mme Lafitteau, ce n'est pas du tout le cas. C'est très clair. Et pourquoi Et ben Parce que je crois que les opérateurs économiques ne croient pas ne crois pas du tout euh, qu'il y a vraiment à ce stade une demande réelle euh, en tout cas euh, des gouvernements des opérateurs économiques. très bien. vous, êtes voilà. euh, vous avez utilisé et votre temps de parole. très bien. <laughs> le usm était le... alors maintenant l'usm de madame levito. oui, je, je conclurai en disant qu'il me semble que l'évolution de la collaboration monétaire entre la france et les pays de cette zone était une relation historiquement qui était verticale qui va de plus en plus vers euh, une relation horizontale. Il me semble que ce sont des éléments positifs sur lesquels il faut continuer à réfléchir, à travailler. C'est ce qu'on fait euh, ce matin euh, avec les ah, trois oui. experts qui sont là à discuter avec vous. Et je pense que, comme euh, l'a expliqué également M. Cabriac, euh, la France doit collaborer et ne pas euh, euh, et attendre effectivement comme il' a, comme il l'a expliqué le souhait euh, des africains qui formuleront eux-mêmes euh, leur souhait quant à l'évolution ou pas de euh, leur dispositif monétaire je vous remercie merci merci moi mon, mon message et mon unique message c'est de dire que j'ai bien écouté tout cela nous avons tous écouté tout cela que manifestement les conséquences des décisions que l'on prend sont beaucoup plus lourdes Positif ou négatif pour l'Afrique, pour la France, et qu'après avoir exercé une influence décisive, prépondérante et parfois euh, impériale euh, sur les décisions de cette, euh, de, de, de cette zone, notre premier devoir, c'est de respecter, respecter la volonté des pays africains, quelles qu'elles soient. Et on a vu en écoutant les uns et les autres que c'était un choix complexe qui leur était. Euh, qui, qui leur était euh, Offert, rester, ne pas rester, y a changer, transformer, tous ces choix sont très difficiles, mais je pense que notre pays doit être à l'écoute des africains. Nous avons une boîte à outils que nous pouvons mettre que nous mettons à leur disposition, ils s'en servent à leur manière et je crois que c'est cette disponibilité de la France qui me paraît être la sagesse pour un pays comme le nôtre, quels que soient les choix. On a vu qu'ils étaient très différents euh, les uns des autres. Respectons la souveraineté des États africains. C'est à eux de prendre leur destin en main et offrons-leur les possibilités d'avancer euh, qu'ils souhaitent obtenir de nous. Voilà, je crois, ce message d'humilité que je pense que nous, nous devons tirer de cette remarquable... Euh, table ronde que vous avez animée, madame et messieurs. Je crois que nous avons tous énormément appris. Nous avons été tout à fait éclairés sur cette situation éminemment complexe. Je cite toujours Sampé dans ce cas-là. Vous savez, les deux albums de Sampé premier volume, rien n'est simple deuxième volume, tout se complique. Et euh, en réalité, c'est bien, bien. Non, mais ben ce n'est pas vrai. Il y a un troisième volume. En réalité, tout peut se, se décanter à la condition que nous sachions. Nous respecter les uns les autres et que, notamment, la France ne se sente pas, la, la, elle ne se sent pas, d'ailleurs de moins en moins, la volonté de faire le bonheur des gens malgré eux. Nous sommes à leur service et c'est à eux de prendre des choix qui sont, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, très difficiles. Merci, euh, madame, merci, messieurs. Nous avons une décision à prendre qui n'est pas négligeable. Je suspends donc la, la, la séance pour une minute, le temps de raccompagner nos. Nos, nos invités.